Salut à vous, démocrates africains, peuple du monde entier, les frères Congo, dépendamment de l'endroit que vous êtes en train de nous suivre ce soir. On va donc développer un sujet, comme déjà vous venez de le voir sur le titre, pourquoi le Dahomey Moshi, Fombosi, Sassou Denis Mathurin, a-t-il choisi l'éléphant comme étant son égrégore? Donc, avant qu'on ne rentre dans ce vif du sujet, rapidement, on va quand même passer rapidement l'information. Ben, vous savez que le président de la République démocratique du Congo, qu'on appelle Félix Tshisekedi, est dans un état critique. On parle d'empoisonnement. Bon, dans les discours prononcés par les amis zaïrois, on dit clairement que c'est son épouse qui l'a empoisonné, parce que son épouse, apparemment, elle est rwandaise. Donc, un coup de Kagame. Bon, nous, on a fait une analyse très claire, très tard la nuit d'hier, où on vous a déjà expliqué le scénario. Souvenez-vous qu'il y a eu le Mobutu Sassou Denis Mathurin avait organisé un sommet chez lui, hein, dans son village, le faux village, dans la République du Congo au nord là-bas. La République du Congo est un État totalement différent de la Fédération Congo. Tous les territoires dans la partie sud de la République du Congo font partie de la Fédération Congo à partir de l'année finie. Et donc la République du Congo, c'est cet État que la France avait créé pour éventuellement piller les ressources naturelles. Des Congos, donc de la Fédération Congo. Et donc ce mercenaire qu'ils avaient trouvé, c'est le Dahomey, Sassou Denis Mathurin, avec quelques infiltrés. Et donc c'est lui qui fait donc ce travail. Donc il avait organisé un sommet, je crois que c'était le 12 février 2022. Hein, vous avez vu des gens comme les Yoweri Museveni qui étaient là, Faure Gnassingbé, Tshisekedi Félix était là. Et éventuellement, il y avait Sassou Denis Mathurin. C'est là où est parti l'empoisonnement de Tshisekedi. Sassou, c'est l'homme de main de Kagame, hein, c'est clair. Parce qu'il compte désormais sur Kagame de protéger éventuellement son fils zaïrois, que nous appelons Sassou Nguesso Christel Denis, l'un des grands voleurs, hein, quasiment de la génération 1975. Donc, il compte sur les forces armées du Rwanda pour installer ce fils-là au pouvoir dans la République du Congo. Parce que dans le contexte de la Fédération, nous les chasserons dans la Fédération du Congo. C'est une affaire de guerre. Il y a des armes qui vont crépiter et nous sommes chez nous. Nous avons le droit et le devoir forcément de protéger notre peuple, de protéger nos ressources naturelles, de protéger nos terres. Et d'ailleurs, vous avez vu dans le deal. Le Rwanda est venu prendre une partie des terres qui appartiennent au Congo sans l'approbation des Congos. Parce que le Rwanda veut protéger à travers. Ils vont faire en réalité une même infiltration qu'ils ont réalisée en République démocratique du Congo avec le Joseph Kabila aujourd'hui. Venir aider le fils zaïrois et après infiltrer beaucoup de Rwandais dans ce système et occuper les terres après. Hein. C'est ça le système. Nous comprenons comment ça se passe. Donc, Sassou, c'est l'homme des mains du Rwanda. Combien de fois l'avion, à l'époque où ils avaient cet avion, Antoinette Tibota voyageait en tant que Congo 2, hein, dans l'immatriculation de cet avion, avec des investissements qu'ils ont planqués là au Rwanda, comprenez? Donc, si réellement les Rwandais, dans le deal apparemment qui a très mal tourné, et. Ils ont donc cherché à liquider Tshisekedi, mais la liquidation de Tshisekedi ne pouvait que venir auprès de son parrain, celui qui l'a fait rentrer dans les contextes de loges franc-maçonniques, donc à Oyo éventuellement. Vous comprenez? Donc c'est là où on l'a eu. Souvenez-vous qu'il y a eu un mariage comme ça qui s'est déroulé à Kinshasa, et dans les couloirs, on parlait de tentatives d'empoisonnement de Sassou Denis. Et donc, il a donc tiré vengeance, comprenez?
C'est ce qu'il dit, a voulu jouer avec un criminel. Sassou, c'est spécialiste des empoisonnements. C'est un criminel avéré. C'est un véritable animal. Il n'a rien à foutre de Tshisekedi. Comprenez, Tshisekedi a cru à ce type. Et aujourd'hui, il se retrouve dans la merde. Donc, s'il y a le poison, arrêtez simplement d'accuser son épouse. Il faut regarder du côté de Oyo. À cette date du 12 février 2022, c'est là où est passé. Je crois que on va essayer de rapidement de. Je ne sais pas si on va. Je vais simplement essayer de bouger ça. Vous vous souvenez? Je vais essayer simplement essayer de bouger ça. Souvenez, je vais essayer de zoomer. Vous voyez, c'est cette photo, mes frères. Attendez. Hein. C'est cette photo, hein. Vous vous souvenez de cette photo. Hein. Oyo, vous avez. Peut-être que vous ne voyez pas. Je vais essayer un peu de bouger la caméra du côté de YouTube pour que vous puissiez bien voir. Et aussi un peu de bouger. Il y a des mics. Voilà, je vais essayer de bouger. Et de côté de Facebook, je vais aussi simplement essayer de bouger pour que vous puissiez bien voir cette image. Je vais essayer de bouger le Yedi mic. Voilà, je vais essayer de faire ça. Comprenez? Là, vous le voyez, c'est Tshisekedi, Tshilombo Félix, ici, hein, ici dans cette photo-là. Et vous voyez Fort Nyasimbe. Et là, c'est Museveni, hein, Museveni de l'Ouganda. Et vous avez le criminel Sassou Denis Mathurin qui est assis. C'est à cette date que, s'il y a le poison, c'est à cette date que Tshisekedi avait été empoisonné. C'est là. C'est là où on l'a eu. C'est un guet-apens qu'il avait tendu pour finir avec lui. Hein. C'est là. Donc, nous demandons aux Aïrois, puisque nous voyons leur pasteur du côté d'Afrique du Sud qui accuse la pauvre femme, mais cette femme-là est restée avec Tshisekedi pendant combien de temps? Quand même beaucoup d'ans. Bon, ils ont déjà des enfants, je crois bien aussi. Donc, ne regardez pas toujours le mal du côté de l'épouse. Le mal est venu de là. Si Kagame veut assassiner Tshisekedi par un empoisonnement ou les Kabila, c'est Sassou qu'on va utiliser. Et c'est lui qu'on a utilisé. Hein? C'est clair, parce que lui, il est devenu l'allié. Il compte sur Kagame. Et d'ailleurs, Kagame est devenu sa porte-parole au niveau du palais de l'Élysée, même au niveau des États-Unis, parce que Kagame, c'est le pion américain. Donc, Sassou est protégé parce que les Kagame plaident sa cause au niveau des États-Unis. Comprenez? Et même au niveau de la France. Souvenez-vous qu'aujourd'hui, la francophonie est entre les mains du Rwanda. Donc, Kagame est devenu cette croix de transmission pour protéger le criminel Sassou. Donc, si réellement Tshisekedi est empoisonné, comme déjà bon, plusieurs sources de la République des Aïrois, hein, vous les appelez la République démocratique du Congo, nous on les appelle des Aïrois, parce que ça, c'est leur vraie identité. Les tripatouillages de la République démocratique du Congo, c'est un mensonge, comprenez? Et d'ailleurs, eux-mêmes, ils reviennent sur le nom du Zaïrois. Donc, les Zaïrois ne doivent pas aller regarder auprès de l'épouse de Tshisekedi. Voilà le jour où Tshisekedi avait été empoisonné. C'est ce jour-là, le 12 février 2020. Comprenez? Et là, nous sommes au mois de mars. Donc, le calcul a été réalisé. Le mois de mars, c'est le mois de sacrifice. Comme il est allé à l'horloge, c'est ici qu'il a été sacrifié par ce type, ce criminel. Et lui, il a cru que c'était son parrain. Hein, il faisait à tout le monde des voyages. Ils l'ont mis dans les loges, on lui a fait subir tout ce que vous connaissez. Comprenez? Voilà le mal, c'est lui. Donc, nous demandons aux Aïrois de regarder si Tshisekedi Tshilombo, hein, Félix, Antoine, mourait aujourd'hui. Et puisqu'on parle du poison, hein, ça circule partout, que tout le corps est devenu acidique, le poison a quasiment pris, ils ont du doute qu'il va survivre. Mais en tout cas, nous le souhaitons une bonne vie. Hein, nous ne souhaitons pas sa mort, quand même qu'il a trahi son peuple. Bon, Tshisekedi n'a pas tué des gens, hein, comprenez, en comparaison de Sassou, comprenez ça, chers amis, hein, ce que je sache. Hein, est-ce qu'il a tué des Aïrois? Non, je ne crois pas. Hein, peut-être que j'ignore, mais il n'a pas massacré des milliers des Aïrois comme Sassou. Donc, nous ne pouvons pas souhaiter la mort de Félix Tshisekedi. Si Dieu lui fasse grâce pour qu'il prenne conscience que ce qu'il croyait que Sassou était son parrain, c'est faux. C'est son ennemi, c'est son criminel, c'est son assassin. Comprenez? Donc, c'était très important. Donc, vous voyez encore sur cette image ici, hein, je vais essayer de... Ouais, là, vous voyez Tshisekedi. Ça, c'est Tshisekedi, hein, à l'hôpital en Belgique.
Regardez les conditions dans lesquelles il se retrouve. Il a des tuyaux partout. Regardez comment le visage a beaucoup. Quand je vois cette image de Félix Tshisekedi, ça me rappelle Guy Parfait Colella, quand il était dans la clinique du Moshi, à Vanga. Hein, ce docteur Moshi criminel à Vanga, à Sécuresse ou Sécuresse, comme ça que vous appelez. C'est là-bas qu'ils ont liquidé Colella Parfait Guy. Ils ont augmenté la dose du poison pour l'entraîner vite à la mort. Quand même qu'il était empoisonné, on a vu dans les vidéos passées les effets tistères, hein, ils ont développé. Mais c'est quand il est rentré à cette clinique, Securex, c'est là où ils l'ont achevé. Comprenez? Ça me rappelle Colella Parfait Guy, quand je vois cette image de Tshisekedi. Est-ce qu'il va survivre? Nous ne savons pas, seul Dieu sait. Dieu seul sait. Mais les Aérois ne doivent pas aller chercher le mal de loin, le mal est à Oyo. Voilà, le jour qu'on avait eu Tshisekedi, c'est ce jour-là. Ce jour-là, ce faux sommet, c'est là où il est parti dans ce guet-apens. Voilà, donc c'était nécessaire pour nous de vous expliquer ça. Je vais essayer simplement de tourner un peu comme ça. Vous voyez, chers amis, donc ça c'était simplement la partie information. Je vais simplement essayer de bouger ça. Maintenant, je vais vous faire jouer la vidéo de Barack Obama. Hein, à l'époque, il était président des États-Unis. Il faut souligner que Barack Obama a fait 8 ans de pouvoir aux États-Unis. Et pendant son pouvoir, il avait mis en place un programme qu'il avait appelé YALI. Hein, YALI, c'est Young African Leadership, je crois, entrepreneurial, un truc pareil. Et ce programme, après, il a changé. C'est devenu, je crois que Nelson Mandela, un truc pareil, là. Il a mis ça sous le nom de Nelson Mandela. Donc, c'est une coopération que Obama avait mis en place pour aller donc chercher les jeunes Africains, les talentueux, hein, ou encore donner l'opportunité pour créer une relation entre les États-Unis et l'Afrique. Donc, préparer les leaders de demain. Hein, les leaders de demain. Donc, déjà avoir une connexion avec les États-Unis, financer ces gens-là à travers les formations professionnelles et puis leur donner l'éducation nécessaire, de les suivre et de les préparer à occuper des fonctions. Et bien sûr, quand désormais ils vont travailler, ils vont donc servir les intérêts américains. Comprenez? Mais vous allez, moi je vais donc faire jouer ça pour que vous compreniez de vous-même. Hein? Ça, nous voulons parler au Congo, l'intérêt de l'Occident, hein? Ce que l'Occident a toujours fait. Mais vous voyez que les États-Unis ont même dévancé la France. Et les États-Unis sont en train de le faire, non pas seulement en Afrique, mais partout à travers le monde entier. On prépare les jeunes, on leur finance, on leur support, on leur donne le support nécessaire, on leur donne l'éducation nécessaire. Mais à la fin, il y a le retour de l'ascenseur. Le retour de l'ascenseur. Il n'y a rien pour rien. C'est des stratégies de conquérir le monde entier. Avec la vision nord-américaine, la vision américaine. C'est pas mauvais, hein? C'est pas mauvais. Mais non, il s'agit de ces jeunes-là de regarder aussi l'intérêt de leur nation. Hein? C'est-à-dire qu'ils ne vont pas simplement être les pantins des États-Unis ou même des pays occidentaux, mais ils doivent aussi regarder l'intérêt de leur peuple. Mais vous entendez ça de la bouche de Obama. Et vous voyez même l'intention même de ce programme. Et ce programme continue, hein, jusqu'à aujourd'hui. Comment ils appellent ça désormais? C'est le nom qui m'échappe, hein, mais c'est un truc qu'on a associé à le nom de Nelson Mandela. On va écouter. C'est en anglais, mais je ferai la traduction après. Hein. On va essayer d'écouter. And even more, Americans will participate in this exchange next year. It's also why I'm excited to announce new support from the Millennium Challenge Corporation, the U.S. African Development Foundation, and the Citi Foundation to provide even more Africans with grants and professional opportunities. Give them a big round of applause for their support. Bon, là, simplement, il annonçait qu'il y a eu, enfin, d'autres groupes, hein, qui se sont joints à eux, hein, pour les aider à faire fonctionner ce programme. Donc, ils ont parlé de Millennium. C'est des associations, enfin, c'est des gens qui apportent un peu le capital, hein, dans le financement de programme YALI, hein, Young African Entrepreneur Leadership, c'est comme ça qu'on appelait ça.
Et on a changé de nom. Il y a maintenant le nom de Mandela à l'intérieur. Donc là, dans cette section, Barack Obama voulait simplement remercier ces deux groupes qui les aidaient dans le programme, qui sont venus apporter, donner leur main dans la réalisation, la formation, le financement. Hein. Et donc, il demandait à l'auditoire d'acclamer cette bonne initiative de ces deux groupes. On va donc continuer. So these partnerships don't just change the lives of young people like you, they're also energizing our countries and shaping the our world. We've created programs like this, not just in Africa, but in Southeast Asia, in the Americas, in Europe. So you're part of a huge and growing network. Bon, donc il est dit, ces deux groupes très importants qui viennent avec nous. Voilà, Mandela Washington Fellowship, exactement, ça c'est le nouveau nom. Merci Kambach hein, de l'écrire, ça m'est échappé. Ce programme, à l'époque, quand Barack l'a créé, je crois que c'est à la troisième promotion, hein, parce qu'il y a eu plusieurs, et ça, je crois que c'est chaque année, puisque Barack Obama avait promis que même après sa période de présidentielle, le programme va continuer. Hein. Il y a eu une première session, peut-être une affaire de 500 et quelques, hein, et salut Kambach, et puis après, il avait doublé les effectifs lors de la deuxième session. Et c'est au niveau de la troisième session qu'il a changé. Donc, là, je crois, la troisième année, au lieu qu'on appelle ça YALI, hein, Young African Leader Entrepreneurship, il a maintenant mis ça au nom de Mandela Washington Fellowship. C'est un grand programme, mais qui crée une connexion. Comme vous avez entendu Obama le dire, ce n'est pas simplement en Afrique, mais aussi en Asie de l'Est. Hein, donc en Asie de l'Est, en Europe, ainsi de suite. Donc on prépare des dirigeants de demain qui vont travailler en collaboration avec les États-Unis, c'est-à-dire que des dirigeants qui auront une vision américaine, qui seront impactés par la décision politique des Amériques. Donc on crée simplement, on peut simplement dire, des robots qui travailleront désormais, comme un peu aujourd'hui Macron et Emmanuel, c'est un produit américain. C'est ça la réalité. Macron Emmanuel, c'est un produit américain. Macron Emmanuel n'ira jamais en porte-à-faux avec les Américains. Toute décision que l'Amérique prendra, Macron Emmanuel va endorser. Parce que son financement vient de là. Son argent, sa survie, tout ce qu'il détient est protégé par l'Amérique. Et l'Amérique aussi le protège dans tout ce qu'il veut faire. Comprenez comme un peu les crimes hein, qu'il a réalisés lors des phénomènes des Gilets jaunes. Il est protégé par ça. Comprenez ça, chers amis. Donc, c'est un calcul. Mais c'est ça, le leadership. Et ça fait partie de la sécurité nationale. On prépare les leaders de demain. Comprenez. Et nous, dans la Fédération Congo, on a déjà cette vision-là. On a déjà ciblé de très loin. Vous verrez dans les jours qui viendront le rapport de Mbongi. Vous allez voir déjà le premier organigramme qui sort de là. Mais ça, c'est l'organigramme qui sort. C'est le contexte sécuritaire même de la Fédération. Donc, on aura une vision très claire. On va aller chercher le véritable partenariat avec des gens qui pensent comme nous. Là, on peut lui tirer le maximum de profit, le potentiel nécessaire que la Fédération Congo aura besoin. Donc, on ne peut pas condamner ça. On ne peut pas condamner. Et ils visent loin, ils investissent pour ça. Et ils ciblent, ils vous forment en contrepartie le retour de l'ascenseur. Donc, ça ne se fait pas seulement au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Asie, au niveau de l'Europe, partout, ils sont en train de le faire. Et ça, c'est ce qu'on appelle le mindset. On prépare les talons de demain pour endorser la vision politique américaine. Comprenez ça, Jean. Qu'est-ce que les Français n'ont pas pu? Alors que la France a eu beaucoup d'avantages, mais la France a préféré privilégier le crime hein, à la place même de promouvoir l'éducation, l'entrepreneuriat, le développement nécessaire, c'est-à-dire que préparer les talents nécessaires pour des échanges économiques. C'est ça la vision. La France, 15 pays avec la monnaie du franc CFA. Ça, ce n'est que dans le contexte d'Afrique francophone et Madagascar, peut-être. Hein, comprenez ça. 15 pays. Vous ajoutez le Comore, 15 pays. Mais non, vous prenez les Caraïbes. Comprenez ça, chers amis. Un avantage énorme que cette France a refusé de saisir. À la place,
cette France a encouragé le crime organisé. Hein? Cette France est rentrée dans l'orgueil. Cette France a privilégié la chicotte, les armes, comprenez, a bafoué la jeunesse. Mais l'Amérique n'a pas pensé à ça. L'Amérique a visé loin. Que si nous voulons conquérir l'Afrique, nous voulons conquérir l'Asie, nous voulons conquérir l'Europe, nous devons supporter leurs jeunes, leur donner l'éducation. Et en contrepartie, il y a le retour de l'ascenseur, éventuellement. C'est clair. C'est une vision claire. Mais la France, au lieu de préparer ça dans le domaine économique, pour que cette France-là soit une véritable balance économique mondiale, une véritable puissance même militaire, en incorporant tous ces pays africains, non, elle a refusé. Elle a préféré le vol. Hein, venir prendre ce qui appartient aux Africains par les biais des armes. C'est là où l'orgueil de la France a manqué cette opportunité. Et là, vous voyez que en volant les Africains, en créant tous ces mécanismes pour bloquer même l'ensemble des jeunes Africains, et ces jeunes Africains se sont transformés en véritable monstre par rapport à la France. C'est clair. Comprenez? Mais les Américains ont compris ça. Hein? Ils ont vu ça de loin. Sinon, il faut préparer. Et Barack est venu, ils ont dit, la meilleure personne pour pouvoir le faire, il faut que ce soit un homme dont un des parents est originaire africain, et que c'est lui qui est capable de pouvoir aller chercher l'enthousiasme même des jeunes. Mais si vous voyez ce programme-là, Mandela, Washington, Fellowship, là, c'est chaque année, le nombre des gens qui s'enregistrent, surtout les jeunes Africains qui cherchent les opportunités, n'a qu'à regarder aujourd'hui dans les pays francophones. Les jeunes Africains préfèrent même aller chercher les visas à l'ambassade américaine que d'aller chercher à l'ambassade de France. Comprenez? Parce qu'à l'ambassade de France, vous payez d'abord même le visa tout en sachant qu'on ne vous rembourse pas, même quand on vous donne le cash. Et leur mauvaise volonté, c'est encore quoi? Quand on vous refuse le visa, ils vous mettent le cachet là à l'intérieur. Donc, si vous allez à une autre ambassade de l'Union européenne, vous êtes bloqué parce que les Français vous ont mis déjà le cachet refus. Donc, dans le contexte du pandémonium, vous voyez que les jeunes de l'entité Congo avec C sont obligés de changer un million de fois les passeports parce que quand ils veulent aller chercher une autre opportunité dans une autre ambassade, ils ne veulent pas aller avec un passeport dans lequel on a mis un cachet refus. Comprenez ça, chers amis. Un mauvais calcul de l'orgueil de la France. Voilà pourquoi on dit, en France, on ne fait pas de la politique, mais vous êtes dirigés par des voleurs qui ne pensent qu'à leurs intérêts. Ils n'ont pas visé l'intérêt général. Parce que l'intérêt général, c'était de créer le véritable partenariat, créer une véritable zone économique, libérer les économies comme un peu la Grande-Bretagne l'a finalement compris. Donc, en supportant la démocratie, on comprenait ça, chers amis, et en sanctionnant fort sur les crimes liés au génocide, les abus graves de droits de l'homme, ainsi de suite. Voilà la politique. Comprenez? Donc, des fois même quand on dit, l'Amérique parfois abuse, mais elle a une vision, la vision est claire. On prépare, vous voyez que quelqu'un qui vient vous donner à manger tout le temps, mais quand vous serez en position, vous allez quoi? Vous allez dire, non, moi je pense à l'Amérique. Parce que l'Amérique est venue me donner l'éducation que j'avais. L'Amérique m'a donné l'opportunité d'ouvrir une entreprise, m'a supporté, et aujourd'hui, c'est le retour de l'ascenseur. C'est clair. Hein? La Fédération Congo a compris ça. Comprenez ça, chers amis. Hein? Nous, on regarde tout, on lit beaucoup, on passe beaucoup de temps dans la lecture, dans la recherche. Et on comprend le discours. Nous comprenons tous ces politiciens occidentaux, asiatiques, tout, nous comprenons là. On peut lire leur état. On peut lire déjà même ce que les gens veulent dire. On peut déjà comprendre. Comprenez? Et la Fédération Congo, personne ne trompera la Fédération Congo. Nous, on peut le dire, oui. Comme déjà Obama l'a dit lui-même tout à l'heure, on va vous faire jouer un deuxième discours d'Obama. Nous sommes un peu aussi notre avantage. C'est-à-dire que la différence entre nous et Obama, c'est que nous avons vécu d'abord en Afrique. Avant qu'on vienne en Occident. Je suis un des gros monstres de la France, criminel et fier de l'être. Voilà, donc, ça c'est ce qui est comme Bakit, vous comprenez? On va continuer ce qu'Obama est en train de dire là. On va continuer. Of the next generation of leaders around the world. Est-ce que vous entendez? Hein? Next generation of leaders around the world. C'est-à-dire que
la nouvelle génération de leaders à travers le monde entier. Donc, ils ont visé loin. Comprenez ça, chers amis. Donc, ils préparent ça, ils préparent les entrepreneurs, mais ce sont ces gens qui vont arriver aux fonctions, après ils vont signer les contrats, ils vont voir. Bien sûr, les Américains les ont aidés, ils vont donc aller où? Vous voyez un peu la génération que nous avons actuellement là, hein? Enfin, la plupart de nos grands, nombreux parmi eux, hein? Certains ont fait par exemple l'Union soviétique, nombreux aussi ont fait les écoles de Paris. Donc, c'est des produits typiques de la France. Et ces gens-là ne travaillent, ne jurent que sur la France. Quand même que la France leur vole, la France leur fait subir tout ce que vous connaissez, ils ne jurent que sur la France. Quand même que la France n'a même pas payé leur éducation aussi. Mais ici, c'est différent. On vous supporte, mais à la fin, il va le dire, hein? Obama va le dire ici. I'm going to leave it up to historians to decide my overall legacy. One of the things that I'm really proud of is my partnership with young people like you, because all of you inspire me. So years from now, when you're running a big business or doing a great nonprofit or leading your country as a president or a prime minister or a minister of finance or something, my hope is that you can look back and you will keep drawing from the strength and the experience that you've gotten here. I hope that you'll remember those of us who believed in your potential. And I hope, as a consequence, you then give back to the people who are coming up behind you. Well, c'est très clair. Et tous les discours d'Obama, toutes les fois qu'il partait à ces sessions de Yali, aujourd'hui, Mandela Washington Fellowship, il a toujours répété cette phrase. Il dit, bon, nous préparons les leaders mondiaux aujourd'hui. Je suis très, très ravi de vous avoir ici. C'est ce que Obama dit. Et il dit, j'espère que vous allez tous, quand vous allez devenir un businessman, chef d'entreprise, premier ministre, président de votre pays, ministre des Finances, ministre de l'Économie, etc. Vous allez penser à... Vous allez donc appliquer tout ce que vous avez appris dans ce programme. Vous comprenez ça, c'est Obama qui le dit. Et il continue, il poursuit. Il dit, j'espère que vous allez donner un retour à l'ascenseur à tous ceux qui étaient derrière toi. Vous comprenez, pour que vous arriviez à... Vous allez penser à tout ce qui était derrière vous pour vous assister, vous aider. Donc, le retour de l'ascenseur. Obama le dit lui-même. Donc, on prépare les leaders qui vont travailler dans le contexte de l'Amérique. Et ça, les Chinois aussi ont compris. Hein? Les Chinois donnent maintenant plusieurs bourses, vous comprenez, pour des jeunes Africains qui vont étudier en Chine. Mais la différence avec les Chinois, c'est que les Chinois n'investissent pas dans le domaine du business en ce qui concerne les jeunes Africains. Or, ici, là, c'est là où l'Amérique crée la différence. La Fédération Congo a boulé ça depuis très longtemps. Voilà pourquoi nous donnerons minimum 20 mètres carrés de parcelles à tout fils Congo, qu'il soit né en Occident, partout, descendant Congo reconnu, nous lui donnerons une parcelle gratuite dans les domaines de la Fédération. Ces jeunes-là doivent penser à leur terre, parce que c'est ça qui va leur attirer. Tu as un bout de terre là-bas, il faut venir construire, il faut venir investir. On va ouvrir la fédération à tous les fils Congo. On prend ça, chers amis. Voilà la politique. C'est ça qu'on appelle la politique. On prévoit, on vise. Et c'est ce qu'on appelle les visionnaires. Comprenez? Et Obama l'avait dit. Bon, je crois que là, vous avez bien compris. Je vais rapidement, parce que c'est un direct expéditif, je vais rapidement prendre un autre chapitre. Vous allez encore entendre. Mais là, il y a quelqu'un qui a fait un très bon travail, qui avait fait la traduction directe en français. Donc, j'ai vraiment apprécié ça. Ça fait longtemps que j'avais déjà vu cette vidéo, mais je ne voulais pas d'abord parler de ça. Mais aujourd'hui, c'est comme si l'esprit me demande de parler de ça. Donc, je vais donc essayer de vous faire jouer ça. Et donc, on a fini avec ça. Ça, je le bascule sur l'autre écran. Et je prends donc cet écran, l'autre écran-là, je ramène là. Voilà. Malheureusement, nous, on n'a pas la technologie de Dimkai. C'est un software.
qu'on appelle VMIX, ça coûte cher. Si on a des donateurs, hein, nous nous sommes pauvres. Ce software, c'est quoi, je donne 1000 et quelques dollars, hein, 1600 et quelques dollars américains. Nous, on est pauvres. Maintenant, s'il y a des donateurs qui veulent nous acheter ce software-là, voilà l'opportunité de venir nous faire ce don-là. Et nous demandons le don. Si vous voulez nous aider, quand on fait les lives à YouTube, faites vos dons sur YouTube directement. Il y a une rubrique qui vous permet de déposer la somme d'argent que vous voulez pour nous donner. On ne prend pas le cash de quelqu'un, on ne prend pas les Western Union pour éviter simplement que les Moshi s'infiltrent là-dedans pour dire on a corrompu Pongi. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, s'il y a des gens qui veulent nous aider à avoir VMIX, hein, c'est un software qui nous permet de mixer tous les vidéos sur une même plateforme et de basculer tout ça. Je maîtrise bien le software, mais je suis pauvre, vous comprenez? Il me manque de l'argent pour en acheter. 1600 et quelques dollars américains, c'est une fortune pour moi. On a assez dépensé pour les Congos et je crois qu'on ne peut pas. On va se contenter de ce que nous avons, au moins ce qu'on ait des gens qui nous fassent cette donation. Mais si les gens veulent le faire, il faut le faire quand je fais les lives sur YouTube. Il y a une rubrique où on donne, vous pouvez donner et vous donner les 1000 et quelques dollars, 1600 ou 2000 dollars américains, vous le donnez là. Nous, on ne prend pas, on dit, on ne prendra jamais l'argent des Congo, Western Union, tout ça là, pour éviter simplement, parce qu'il y a eu un montage que les Mboshi ont eu à faire. Ils ont fait un faux montage à Western Union, et puis nous avons, je crois qu'à l'époque, on faisait le bévitré, on l'a traqué, on est parti jusqu'à Western Union. On voulait savoir qui a envoyé cet argent, est-ce que c'était vrai, c'était nous. Bon, on a démontré que c'était faux. Toutes ces vidéos sont là. Donc, nous ne voulons pas rentrer où vous avez des donateurs flous, qui vont donner à faire de chantage que Pongi a été corrompu. Comprenez ça, chers amis. Et on ne vous force pas de donner. Déjà, ce que nous sommes en train de faire en switchant des écrans, ça nous permet déjà de faire passer l'information. Bon, ça, c'était une petite parenthèse. Là, vraiment, on remercie ce monsieur qui avait fait ce montage. Ça, encore, c'est le discours d'Obama, où il parlait aux jeunes Africains. Et cette personne avait fait un bon travail en faisant la traduction directe en français. Donc, je n'ai pas envie de vous traduire. Vous aurez directement ce que la personne est en train de dire. Je vais donc le jouer. Trop de temps, ils se sont fait exploiter, les Africains. Le continent qui contient... Je vais donc reprendre ça. En trop de temps, ils se sont fait exploiter, les Africains. Le continent qui contient le plus de jeunes au monde. Après avoir constaté que vous faites exploiter, que font les jeunes Africains pour changer les choses? Il y en a qui disent qu'on ne peut rien faire. De toute façon, c'est l'Occident qui choisit nos présidents. L'Occident peut choisir nos présidents, mais il n'y a que vous qui pouvez les chasser. Vous pouvez demander à Blaise Compaoré, il mange des beignets en ce moment, je ne sais pas où. Vous avez le droit de vous battre pour votre liberté, votre dignité, comme le fait le peuple juif, ainsi que les peuples palestiniens. Vous devez voir ce qu'il y a derrière la montagne. Ils nous ont fait ceci, ils nous ont fait cela. Arrêtez de se plaindre. Tout le monde sait combien l'Afrique a souffert, c'est bon. Quand il y a un accident... Imaginez une voiture qui vous rentre dedans. La première chose qu'on fait, c'est un constat à l'amiable. Tout le monde est d'accord. L'Afrique se fait exploiter ses richesses. L'Afrique se fait exploiter par les Occidentaux. C'est un business. Mais après que beaucoup d'entre vous ont fait le constat, on reste au niveau du constat et on ne fait plus rien. Et le changement en Afrique, ce n'est pas demain, c'est maintenant. On est d'accord. Donc il faut arrêter de faire pitié. Aller à l'école, comme moi. Beaucoup d'entre vous sont là. Ce qui les intéresse, c'est si on a liké sa photo sur Facebook. Voilà à quoi est occupée la majorité des jeunes Africains. Beyoncé a pété dans l'eau. Sans même savoir qu'on vous fait regarder dans la mauvaise direction. On vous fait croire qu'un noir qui a réussi, c'est un noir qui chante ou un noir qui court derrière un ballon. Pour répondre au mec qui disait que je faisais rien pour les Africains. Sache que moi aussi, je suis le produit d'un système. Un système capitaliste basé sur le libre-échange, basé sur la maximisation du profit. Je vends des armes. S'il n'y a pas la guerre, comment je fais pour les vendre, moi, mes armes? Voilà, ça, c'est ce qu'Obama disait. Hein, c'est très poignant. Et nous avons beaucoup appris de ce discours du président Obama. Beaucoup appris de ce discours. C'est ça qui nous a donné un état mental fort. Quand on a suivi le discours du président Obama à l'Union africaine, à Éthiopie, là, hein,
Quasiment, ça va dans le même sens. C'est-à-dire que l'avantage de nous par rapport à Obama, c'est que nous avons vécu en Afrique. On a vécu dans ces ghettos-là, hein, là où il y a le vol, le pillage. On a vu la réalité. Hein, on a vu cette réalité. Vous comprenez ça? On a vu ces réalités-là, là-bas. On connaît les méthodes operandi des crimes, de la dictature, le pillage, le vol, la destruction. On a vécu, moi qui vous parle, j'ai été opéré deux fois. Hein. J'ai été opéré à l'hôpital de Nkaï, hein, à l'époque où j'étais étudiant à la faculté des sciences de Dolisi. Je connais les conditions de cet hôpital. C'est un Chinois qui m'avait opéré là-bas. Et pour la deuxième fois, j'ai été opéré à Brazzaville. À l'époque où j'étais étudiant à l'École nationale supérieure polytechnique, donc N7, hein, à l'époque, c'est ceux qui connaissent bien cette école. Je connais donc les conditions de travail. Le jour où on m'a opéré, c'est des amis. Hein, je tiens déjà même à remercier un grand frère qui est à Londres aujourd'hui, qui est venu avec mon frère me soulever du bloc opératoire, allongé sur le lit. Vous voyez les images que vous voyez là. Moi, j'ai vécu ça de moi-même. Moi-même, j'ai vu la mort. Hein, comprenez? Parce qu'il fallait qu'on soulève quelqu'un qui sortait du bloc opératoire. Tu es allongé sur un brancard. Comment vous appelez ça? Et on vous soulève. Hein. Et je voyais mon épouse aujourd'hui, à cette époque, bon, on était encore copines. Et je la voyais, elle pleurait. Parce qu'elle avait peur de me voir glisser. Et puis, bon, c'est fini. C'est l'hémorragie, et ainsi de suite. Et je tiens à remercier cet aîné qui est venu avec mon frère m'aider à me soulever moi jusqu'à me descendre au niveau où j'allais prendre tous les soins. Et c'était là, au centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Donc, je connais ces conditions-là. Comprenez ça, chers amis. Comprenez. Et je connais qu'il fallait s'occuper des infirmiers, donner à tout le monde parfois, les aider hein, parfois le matin. Ah, prenez ça pour votre transport pour le lendemain. Comprenez? On ne peut pas simplement s'arrêter à des constats, à dénoncer ce qu'Obama dit. Obama vous le dit. C'est le cas aujourd'hui dans notre diaspora. Vous avez des gens qui sont devenus des spécialistes de la dénonciation sans proposer la solution. Et ils combattent ceux qui proposent la véritable solution. Ces gens-là veulent toujours nous coller à ce qui nous fait du mal. Hein? En nous contentant de nous montrer les preuves. Oui, on a fait ça. Il faut acter différemment. Obama nous le dit. Obama nous le dit. Il est du système, hein, il nous le dit. Hein. Et nous, on a compris par rapport à ça. On dit non, il faut acter. Il faut poser des actes. Le constat est connu. La souffrance aujourd'hui des Congos est connue. Hein, même pour les Congolais, dans notre Congo avec ça, est connue. Vous n'avez pas d'eau, ça c'est connu. Pas d'électricité. Pas d'opportunité d'emploi, pas d'école, il n'y a pas de route. Vous avez des gens qui volent, le crime organisé au sommet de l'État, ça c'est connu. Tout ce que vous pouvez dénoncer, tout ça c'est connu. Et l'Occident connaît bien ça. Les rapports, si vous allez au département d'État américain, tous les rapports parlent de ça, c'est rédigé, puisque ce rapport sort chaque année. Hein, les rapports, on voit. Comment on appelle, les droits de l'homme, les libertés d'expression, la démocratie, les finances, tout ça c'est répertorié. Vous allez voir le rapport du secrétaire général de l'ONU. Ça en parle, comprenez. Mais à la fin, ces gens-là ne disent rien, parce que c'est à vous de faire ce changement. C'est pas à eux de faire le changement à votre part. Eux, ils voient leurs intérêts comme l'Obama le dit. Obama le dit, moi-même je suis un système, je fais partie du système capitaliste, je suis un produit. Il vous le dit, je suis un produit du système capitaliste. Tu vois, la différence entre nous et Obama, c'est qu'Obama a grandi dans le système. Obama, même s'il partait au Kenya aider sa grand-mère, mais c'était juste pour les vacances, il n'a pas vraiment vécu ça. Vous comprenez? Le calvaire où nous on partait, où on voyait des amis, par exemple, qui vivaient très loin là-bas, Mafuta, après le pont de Dieu, qui marchait. Je dis bien, marcher pour venir là même à l'École nationale supérieure polytechnique, donc à l'amphi 600, donc au stade Massamba Déba. Comprenez?
Oui, nous, nous étions du côté du plateau de 15 ans. Il fallait qu'on marche, ou du côté de l'océan, il fallait qu'on marche pour venir à la fac de désir, à l'école nationale supérieure polytechnique. Vous comprenez ça, chers amis? Vous comprenez? Donc, notre différence, c'est que Obama, c'est un produit de l'Occident. Hein, du début à la fin, il est déjà manufacturé, il connaît que c'est l'intérêt, c'est son intérêt, l'intérêt de son peuple, de son pays. Voilà pourquoi nous avons expliqué le tout dernier live que nous, qu'on a fait. On a expliqué la sécurité nationale. C'était nécessaire de pouvoir expliquer ça à notre peuple ou aux Africains. Obama vous dit, mais moi je vends des armes, je fabrique les armes, je dois vendre ces armes. Mais on ne vend pas des armes comme ça, il faut créer des tensions. Mais qui crée les tensions? Comprenez? Il faut que la politique s'arrange à créer des tensions pour que ça permette à ces entreprises de libérer la marchandise. On s'en fout de l'être humain. Dans le système capitaliste, c'est ça. Hein. L'humain, on est des pièces de rechange. Hein, c'est comme ça. Vous voyez que tout un chacun de nous, dans les entreprises que nous travaillons, nous avons un numéro matricule. Donc, tu es remplaçable. Tu es une pièce de rechange. Quand la pièce faillit, on remplace la pièce. Donc, dans leur mentalité, d'aller chercher le capital, d'aller chercher l'argent, d'aller chercher l'enrichissement illicite. L'humain ne compte pas. La vie de l'homme ne compte pas. Il n'y a pas de droits, il n'y a pas de droits humains, il n'y a pas de liberté d'expression, on s'en fout. Si eux, ils trouvent le partenaire qui leur donne de l'argent, qui leur donne le marché, qui leur donne le pétrole gratuitement, ils vont donc protéger ce partenaire, quels que soient les crimes que ce partenaire doit réaliser. Et ça, c'est comme ça que l'Occident fonctionne. On ne peut pas. On ne peut pas. Ils doivent sauvegarder l'intérêt de leur pays. Bon, certains ont amplifié encore ces mécanismes dans les intérêts égoïsmes personnels, c'est-à-dire qu'ils utilisent l'État comme étant une couverture, une voiture bélier pour aller chercher le maximum de profit dans le contexte de la criminalité derrière l'État. Comprenez ça, chers amis. Comme un peu ce que nous sommes en train de voir. Comprenez? Et nous, on a compris ça, nous, en tant que Congo. On a dit non. Si Obama, qui est le président d'un grand pays comme les États-Unis, arrive à vous le dire, mais il faut acter, il ne faut plus avoir peur. Parce que nous savons que si les gens ont peur de mourir, mais tu peux mourir demain par accident. Le lendemain ne t'appartient pas. Quand ton jour arrive, à n'importe quelle circonstance, ton jour arrivera. Il est question d'aller chercher le véritable changement pour ton peuple. Si tu vois que ton peuple est opprimé, ton peuple vit une balkanisation, ton peuple est sous l'esclavagisme, sous la colonisation intérieure, la souffrance, le pillage, la destruction, il faut aller libérer ce peuple par tous les moyens. Donc, il faut faire fonctionner son cerveau. C'est-à-dire que mettre toute sa réflexion en place pour mettre en place un mécanisme pour libérer les gens que tu aimes bien. Comprenez ça. Si l'Occident fait des guerres parce qu'ils veulent vendre des armes, hein, ils veulent aller prendre les matières premières, une question de sécurité nationale. Et nous, les Noirs, on fait quoi? On va rester là en train de pleurnicher tout le temps? Non, pas du tout. Et nous, on a compris qu'on ne peut pas pleurnicher. Il faut donc créer un pays dans le contexte de la fédération et aller chercher les armes nécessaires, le partenariat nécessaire et discuter avec notre peuple pour voir comment on peut se partager tout ce que nous avons avec les amis. L'essentiel que notre intérêt est protégé, c'est ce que les Mossi font et ce que les Nordistes font. Mais ils ne le font pas avec les ressources naturelles qui leur appartiennent, mais ils viennent piller, c'est-à-dire qu'ils ont fait, ils ont basé leur survie sur les richesses naturelles des Congos qui ne leur appartiennent pas, des richesses naturelles qui ne se retrouvent pas sur leur terre. Mais il faut seulement être un pervers narcissique de ne pas comprendre ça ou encore vous jouer à l'idiot. Donc, dans ce mécanisme et dans ce principe, il faut donc essayer de corrompre quelques nègres de maison pour continuer à nous permettre de faire ce travail, l'avenir des Mossi. Vous voyez que ce jour passé là, ils venaient là de faire une opération dans Luango encore. Olusegun est-elle en tête? Et ils ont donné le nom de cette opération. J'ai lu ça, c'est le nom qui m'échappe. Un homme aussi, sur le territoire de Luango. Un homme nordiste. Ce n'est pas un Obongo, ce n'est pas un truc comme ça. Incroyable. Hein? Il parle de la sécurité dans les zones de Golfe de Guinée, liées à la sécurité maritime. Donc, essayer de voir comment ils peuvent préserver. En réalité, tout ça, c'est vouloir préserver coûte que coûte Pointe-Noire sous leur domination. Comprenez ça, chers amis. Paris est là, on a vu les quelques militaires de l'Intercom là-dedans, et tout ça et tout. Comprenez ça, chers amis.
Obama nous le dit. Nous, les jeunes Africains, on s'arrête simplement à dénoncer, dénoncer, et après, on reste là. Bon, voilà, on attend que quelqu'un d'autre viendra. Et certains attendent même Jésus, le Jésus blanc qu'on nous a présenté. Comprenez? Mais vous devez le savoir, si le Jésus qu'on nous présentait était la solution, les Blancs n'allaient pas vous enseigner Jésus. Parce qu'ils savent que ce Jésus-là est leur protecteur. Ce Jésus-là, c'est leur shield. Comprenez ça, chers amis. Ils n'allaient pas vous enseigner ça. Parce que c'est le Jésus-là, c'est la source de leur richesse. Ils vont vous montrer là où se retrouve le trésor? Non, pas du tout. Ils n'allaient pas vous enseigner ça. Nous voyons le catholique avec leur croix. Si cette croix-là était la solution, Sassou Denis Mathurin allait récupérer toutes les croix qui existaient dans l'entité Congo avec ses. Parce que cette croix-là lui protégeait, lui donnait tout le pouvoir nécessaire et toutes les richesses nécessaires. Il n'allait même pas accepter qu'il ait des églises. Parce qu'il allait protéger coûte que coûte les croix qui devaient exister dans toutes les églises dans l'entité Congo avec ses. Parce qu'ils savent que la croix, c'est le fardeau que tu portes. C'est un fardeau spirituel. Donc, il faut se doter de l'esprit du guerrier pour se débarrasser. La croix, c'est la souffrance. Et la plupart du temps, notre peuple passe tout son temps à la prière. Là, nous venons de voir, je crois qu'on a publié aujourd'hui, le Vatican avait annoncé l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo entre le 3, le 2, ou le entre le 2 au 5 juillet 2022. Putain de merde. Nous, on ne veut pas qu'il aille là-bas. République démocratique du Congo, à Kinshasa, il peut aller au Nord Kivu. Benoît XVI, François, plus de 8 millions de morts là-bas en République démocratique du Congo. Bouche fermée, l'Église catholique ne dit rien. Et il vient venir faire quoi? On demande à notre peuple, l'Église exite. Comprenez ça, jeunes amis. L'Église exite, ni les catholiques, ni les protestants, ni les salutistes, ni les kimbangistes, ni les ngunza, parce que même les ngunza d'aujourd'hui, tous travaillent pour Sassou. Comprenez ça, chers amis. Et c'est ça qui est une réalité. Comprenez. Donc, c'était, je sais que cette partie a pris un peu de temps, parce qu'il fallait quand même qu'on explique ça encore à notre peuple. Mais je crois que vous avez compris ce que nous voulons dire par rapport à ça. Donc, il ne faut pas que les Congos n'acceptent pas quelqu'un qui vient toutefois avec ses discours, la République du Congo, oui, on a fait ceci, on a acheté les maisons, on a volé l'argent, on a tué telle personne, on a fait. Vous le savez, Sassou Denis Mathurin venait de tuer Kolela Parfait-Guy devant vous, tout le monde. Il a liquidé ce gars. Vous voyez, hein? Même à l'international, personne n'a rien dit. Même à l'international, il n'y a pas eu de décision. Ça se continue de se pavaner, ses enfants continuent de se pavaner. C'est clair. Ça, si tu es un fils Congo, tu dois le comprendre. Voilà quelqu'un qui ne respecte aucune loi. Il tue Kolela Parfait-Guy le 20 mars 2021. Il prend le cadavre, il va garder à Oyo. Il prend le faux cadavre d'un Tchadien. Il l'emmène sur la place de Paris. Il vous emmène tous dans l'embrouille. Et les gens sont en train d'acclamer. Après peut-être plus de 8 mois ou 9 mois, ils vont enterrer le faux cadavre. Et là, il y a silence radio. Et tous veulent maintenant aller sur les votes dans la République du Congo. Incroyable, mais vrai. Comprenez. Et l'Occident ne fera rien si vous-même, vous ne réagissez pas. Nous, on a compris. On a dit non, pas du tout. On ne peut pas se mélanger avec des animaux, des barbares, des gens qui ne pensent qu'à faire le mal. Il est question d'aller chercher l'autodétermination du peuple Congo. Et nous avons créé cet État, la Fédération Congo. Nous travaillons maintenant pour mettre en place une armée. S'il faut qu'on paye les armées étrangères pour nous aider, comme d'ailleurs lui, il est allé prendre les forces armées étrangères. Hein? Il a pris les miliciens inter-amoué, les éléments de Mobutu, il a pris les Tchadiens, il a pris beaucoup de gens, des Rwandais, hein? Les Bizimana étaient là, Augustin Bizimana, des calés militaires au Rwanda qui ont créé le génocide, se sont tous refusés et ils ont réalisé ces opérations militaires pour installer Sassou Denis Mathurin. Il est allé prendre l'Angola. D'ailleurs, lui-même, il le dit d'une manière claire, il ne se cache même pas. On va encore jouer ça. Comme on est là, on va jouer ça. Hein? C'est grave, mes frères et sœurs. Il est allé prendre l'Angola, les forces armées angolaises. Et il ne se cache pas. Il le dit d'une manière claire, de lui-même, dans sa propre bouche.
Comprenez? L'église d'exit, on a déjà balancé le pape sur News, News Congo. Ça, c'est combat. Allez-y sur une page Facebook qu'on appelle News Congo, Congo avec K. On a déjà balancé ça. On ne veut pas de l'arrivée du pape en République démocratique du Congo. Je crois que les Boketu doivent se lever là-dessus. Tous les gens de la République démocratique du Congo doivent s'opposer de la même façon que nous sommes en train de voir, de s'opposer à l'arrivée du roi belge en RDC. Vous devez aussi vous opposer à l'arrivée du pape. Les prières, si la prière, les prières qu'on vous mène là, c'était la solution, les blancs-là n'allaient pas venir vous enseigner la prière. C'est ça qui est la vérité. Si l'Afrique n'avait pas les ressources naturelles, l'Occident n'allait pas nous vendre même les médicaments. Il allait nous laisser mourir là-bas. Ils viennent auprès de nous parce qu'ils savent qu'ils ont quelque chose à prendre là-bas. Mais pour prendre ça, il faut endormir les gens par les églises, les prières, des veillées de prière. 20 000 églises, 1000 veillées de prière, pas de changement. Le diable, on le chasse même avec la machette. Quelqu'un qu'on n'a jamais vu. C'est incroyable. Comprenez ça, chers amis. On va encore aller jouer Sassou Denis Mathurin. Comme lui-même, il vous le disait clairement. Vous voyez qu'il est allé chercher les forces étrangères pour tuer les Congos et éventuellement il tue donc les Congos et il est assis là. Et ce pouvoir-là est là grâce aux ressources naturelles, aux ressources naturelles de Congo. Et plusieurs Congos ne comprennent pas ça. Ils sont toujours là en train de nous endormir. On va jouer ça. Je vais jouer ça. L'État ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997. Mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Et pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? Et c'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux. Comment puis-je vous dire? Par quel chemin serait passé ces armes pour arriver, mais sont arrivées. Donc, les armes sont arrivées, il vous le dit, il avoue avec bravoure. Sassou, il est souriant, tête de criminel, il avoue son crime devant l'humanité. Devant l'humanité, il avoue son crime. Il a eu l'appui de Luanda. Les armes, oui, les armes sont venues. Luanda, c'est l'Angola. Luanda, c'est la capitale d'Angola. Donc, c'est un grand pays. Il y a des airs, il y a des eaux, mais les armes, ouais, elles étaient finies par arriver. Il avoue, avec plus d'un million de peuples Congo massacrés. Voilà ce qu'il a utilisé. Il a fait. Il le dit. Donc, il a tué Kolela Parfegui et il n'a jamais respecté aucune loi. On va encore vous donner rapidement un autre petit exemple. Du non-respect de la loi par Sassou Denis Mathurin, on va encore jouer ça, vous allez comprendre. Bon, à mon avis, après analyse, je pense que le président des Souba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois que il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. Bon, vous entendez là? C'est toujours lui, Sassou, qui a raison. Donc, il accuse les Souba
qui ne pouvait pas gagner l'élection de 1997. Donc, il faut chercher à neutraliser Sassou Nguesso pour que lui puisse proroger son mandat en appliquant l'article 70 de la Constitution. Il accuse l'autre, hein, comprenez. Il accuse Lissouba et que lui-même, il a tripatouillé une élection. En 2021, le 20 mars 2021, il tue Kolela Parfekgui par empoisonnement. Hein, qu'est-ce qu'il fait? Il casse le cadavre, il envoie le faux cadavre à Paris. Le cadavre arrive à Paris le 21 mars 2021. Et donc, il n'a même pas respecté sa propre constitution criminogène. Donc, même l'article 70 qu'il accusait Lissouba. Maintenant, vous voulez que ce sont les Blancs qui viennent pour aider ça? Non, pas du tout. C'est à vous de régler ça. Comment allez-vous régler ça? Pas les armes. C'est pas les armes. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a qu'une seule chose qui va pousser ces criminels sur la table de négociation qui viennent signer leur sortie de nos terres. C'est les armes, les coups de canon. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas autre chose. Comprenez? Maintenant là, on va vous expliquer pourquoi lui, il avait pris le symbole de l'éléphant. Je crois que là, je vais simplement essayer de le fermer ici. Pourquoi lui, il avait pris le symbole de l'éléphant? Vous devez bien comprendre ça. C'est très important. Ce type est sadique, on vous le dit. Hein? Sadique. Très sadique. Et puis, on va finir par les Nkondi et les Nkata. Hein, on va finir par eux. Hein. Je crois que Sa Majesté Tikeya Zinga Ier nous a fait un très bon message. Il vous a expliqué ça. Je vais simplement aller chercher ce message et je vais jouer ce message de Sa Majesté Tikeya Zinga Ier, roi de Luango. Et oui, c'est ça. On ne va pas compter sur les usurpations que nous sommes en train de voir avec l'Nkondi et l'Nkata. On va les dynamiter tous. Ils seront tous, comme l'a dit, hein, notre peuple est en train de le dire. Hein. Sa Majesté vous a dit ça, selon le retour de notre peuple. Tous ces vieux-là qui ont comploté, on va d'abord nettoyer dans nos propres rangs Congo. Donc, dans l'état de Mpangala, on va nettoyer les traites et les vendus. Dans l'état de la Lekumu, on va nettoyer les traites et les vendus. Dans l'état de Bouenza, on va nettoyer les traites et les vendus. Dans l'état du Niadi, on va nettoyer les traites et les vendus. Et dans le royaume de Luango, on va nettoyer les traites et les vendus. Tous ces vieux bidons qu'on appelait ça, tous seront nettoyés. Ces jeunes vendus qui nous portent des costumes pourris, qui nous parlent de la police, tous seront nettoyés. Et je vous le dis, hein, retenez ça. C'est moi-même qui sera le chef de ces opérations. Parce que ce que Dieu est en train de faire, il faut qu'il y ait des gens pour faire ce nettoyage-là, afin que plus jamais que nous puissions avoir des vendus sur les terres bénies par Dieu, sur les terres de Dieu. Parce que les terres Congo appartiennent à Dieu, le peuple Congo appartient à Dieu, les richesses des Congo appartiennent à Dieu. On ne peut donc permettre aux animaux, aux gens qui sont nés de la progéniture du serpent, donc du diable, continuer à régner. Le grand nettoyage sera fait et personne n'y échappera. Et quand on vous dit alors de Congo, personne n'y échappera. À moins que ces gens-là prennent la conscience et qu'ils rentrent maintenant dans l'arche de Noé. Nous, on ne sera pas là pour vous parler. Obama l'a dit, hein. Obama vous l'a dit. Ce n'est pas une question de pitié. Ça, c'est Obama qui le dit, président des États-Unis, à l'époque. Et quand il faisait ce discours, il était président des États-Unis. Élu par deux fois. Il a fait deux mandats. Quatre ans, huit ans. Il vous le dit. Ce n'est pas une question pour les jeunes Africains. Il n'est pas question d'avoir pitié. Vous dites que c'est les Occidentaux qui choisissent vos leaders. Mais vous arrêtez pas là. Ce n'est pas une question d'avoir pitié. Donc vous ne pouvez jamais avoir pitié de Total. Jamais avoir pitié de Eni, parce que c'est des compagnies qui travaillent pour la souffrance des Congos sur les terres Congo. C'est clair, mes frères et sœurs. On va se doter de l'esprit du guerrier. Puisqu'ils sont dans le... C'est des guerriers.
Ils font des stratégies pour nous finir. Les gens veulent nous finir, mes frères et sœurs. Hein? Pendant qu'on est en train de chercher le discours de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, je veux quand même vous lire ce que le Moshi vous avait déjà dit d'une manière claire. Hein? Il avait dit d'une manière claire. Hein? Vous allez encore comprendre ça. Même N'Golo Pierre, hein? N'Golo Pierre vous le disait qu'il ne peut pas se permettre de perdre le pouvoir, perdre l'initiative. L'initiative, c'est le pouvoir. N'Golo Pierre le disait d'une manière claire. Hein? Hein, mes frères et sœurs? Et vous aviez des gens comme Dengakala qui disent que eux, ils protègent les crimes de Sassou. Donc, tous, c'est des criminels, ils s'autoprotègent. Dengakala vous le disait. Hein? Je vais essayer de voir si je vais jouer ça rapidement. Et pour faire que nous puissions réhabiliter la génération qui vient après nous, pour que nous ne soyons pas identifiés à nos comportements, à notre manière de faire. Est-ce que vous, qui n'est pas bonne, il faut la corriger fondamentalement. Et si on veut corriger, à ce moment-là, on le fait sans état d'âme. Parce que, un, il nous a trop protégés. Il nous a trop protégés. Quand je dis nous, je suis parmi ceux qui l'ont protégé depuis le 15 octobre jusqu'à maintenant. Il nous a fait confiance. Il a pensé que nous étions à ses côtés pendant le mois difficile. Et c'est grâce à nous aussi qu'il a été protégé pendant le mois difficile. Que je crois encore au camp de Sassou Nguesso. Ce qu'il veut faire là, c'est pour nous protéger tous. S'il n'est pas protégé, personne ne peut nous protéger. Vous comprenez, on est devant une bande de malfaiteurs, des criminels, ils sont bien organisés, ils s'autoprotègent. Et vous êtes là en train de nous parler d'un Congo indivisible. Écoutez ce que N'Golo vous le disait. Congo allait en 2021 sans courir le risque de perdre l'initiative. Nous ne pouvons pas nous donner le loisir de perdre l'initiative en 2021. On ne peut pas. Parce que nous savons. Pour nombre ici, nous savons ce que c'est que la perte de pouvoir. Quand on l'a perdu, on sait comment on l'a vécu. Congo allait en 2021 sans courir le risque de perdre l'initiative. Nous ne pouvons pas nous donner le loisir de perdre l'initiative en 2021. Bon, excusez-moi, ça c'est juste le voleur qui est là. Je vais simplement continuer de jouer ça. Parce que nous savons, pour nombre ici, nous savons ce que c'est que la perte de pouvoir. Quand on l'a perdu, on sait comment on l'a vécu. Congo allait en 2021 sans courir le risque de perdre l'initiative. Nous ne pouvons pas nous donner le loisir de perdre l'initiative en 2021. On ne peut pas. Parce que nous savons, pour nombre ici, nous savons ce que c'est que la perte du pouvoir. Quand on l'a perdu, on sait comment on l'a vécu. Donc vous comprenez, la perte du pouvoir, c'est clair, il ne peut pas se permettre de perdre l'initiative. Et là, je vais encore vous le lire ici. Hein, donc, vous comprenez bien dans le contexte même qui a permis à Sassou d'aller chercher l'éléphant. Et je vais essayer simplement d'agrandir ici. Hein, je sais pas si vous avez... Voilà. Donc, il le disait clairement. Hein, je vais essayer de bouger ça. On n'a pas besoin de ce voleur-là ici. Il le disait clairement. Et là, nous étions dans les opérations Moué-Bara. Le slogan « Le pouvoir ou la mort doit être gravé dans la conscience » de chacun de nos hommes. Je ne vous le rappellerai jamais assez. Comprenez? Nous n'avons pas le droit à l'erreur d'analyse quand il s'agit de l'Afrique. Les Occidentaux ne respectent que la force tout en prenant soin de se cacher derrière la reconnaissance des États et non des régimes. Le slogan « Le pouvoir ou la mort » doit être gravé dans la conscience de chacun de nos hommes. Je vous le rappellerai jamais assez que le retour de la paix signifie la perte de notre pouvoir. Le retour de la paix signifie la perte de notre pouvoir. Jamais assez le retour de la paix signifie la perte de notre pouvoir. Comprenez ça? Donc vous n'aurez jamais la paix dans ces conditions, comprenez? Et c'est d'ailleurs ce qui lui a permis donc d'aller chercher l'éléphant. L'éléphant. Hein? L'éléphant comme son égrégore. Hein? L'éléphant comme son égrégore. Mais vous devez le savoir, l'éléphant c'est qui? C'est le peuple, parce que ça représente la force générale. Donc, avant d'aller là, je vous fais jouer l'audio de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier.
Voilà, donc je vous fais jouer cet audio et vous allez donc l'écouter. Là. Je vais d'abord, je vais simplement faire ça, je bouge ça sur cet écran. Et donc j'augmente. Voilà, donc je vous le fais ça comme ça. Comme ça, vous allez bien voir. Voilà, et insoumis. Voilà. Chers frères et sœurs du Luango souverain et insoumis, chers frères et sœurs de la Fédération Congo répartie au sein du royaume de Luango souverain et insoumis, et des quatre États de Mpangala, de la Bouenza, de la Lekoumou et du Niadi, vous avez été encore très nombreux à me solliciter durant ces trois jours passés. Moi, l'un de vos chefs au sein du Collège royal du Luango souverain et insoumis et au sein du Conseil fédéral Congo. Vous m'avez sollicité non seulement pour me redire avec insistance votre souffrance quotidienne infligée par la France qui se maintient physiquement par les armes sur nos terres souveraines via ses serviteurs criminels de Brazzaville Oyo, mais surtout pour vous plaindre suite à la tentative d'usurpation du titre et de la fonction de roi de Luango par un certain Foutil Luemba François. Vous, hommes et femmes de notre cher royaume, m'avez transmis plusieurs messages en vini, messages que j'ai résumés et que je viens ici traduire en français pour m'adresser également à l'occupant. Je cite. Nous, nous nous adressons à vous, notre chef, notre souverain, pour marquer notre désapprobation au sujet de l'agissement d'un groupe de bandits conduit par un certain Foutil Luemba François et un certain Toussaint Luemba, acquis à la cause maléfique de Sassou et de sa femme Antoinette. Sassou et Antoinette, ces deux personnages sortis droit de l'enfer, qui ont d'ailleurs fait investir tous les coins de la place de Paris pour essayer de casser la dynamique du Luango souverain et insoumis qui a repris sa liberté le 7 juin 2020. À toi, notre cher roi Tshikeya Zinga Ier, nous voulons vous dire que nos mamans, nos papas, nos frères et sœurs, nos enfants, en somme, notre peuple tout entier, c'est tout sur le travail que vous abattez jour et nuit pour nous sortir de la misère et des difficultés quotidiennes. Nous restons calmes, nous observons et nous attendons le jour J qui ne va pas tarder pour agir et régler le compte de tous nos oppresseurs. Nous avons établi nos listes, nous avons établi des listes, car il est intolérable que des personnes qui ont du sang royal qui coule dans leurs veines puissent choisir le camp des oppresseurs, des usurpateurs et des bandits. En somme, nous venons témoigner que nous ne sommes pas seuls dans notre lutte en dépit du silence apparent. Il nous faut donc consolider nos efforts, car dans toute lutte, il y a toujours des leaders libérateurs pour conduire le peuple bâillonné. Pendant les moments d'apothéose, nous serons tous leaders et peuple lambda seront dans la rue pour célébrer l'événement et décapiter les traîtres, les vendus. Fin de citation. Après avoir reçu tous vos messages, résumés à travers celui dont je vous ai donné lecture, j'ai opté pendant plusieurs jours pour la tranquillité, le calme et la solitude. J'ai interrogé beaucoup, Mitu, Temfumzad. J'ai interrogé nos ancêtres et notre Dieu Tout-Puissant qui m'ont demandé de vous dire pourquoi Sassou a choisi le symbole de l'éléphant qui représente le peuple tout-puissant et de mettre à votre disposition les clés qui vous permettront de défaire définitivement le nœud et la corde qui tiennent l'éléphant attaché. Ce nœud et cette corde mentale et spirituelle sont toutes les idées reçues en fréquentant les églises et les maisons diabolico-ésotériques occidentales dans lesquelles vous avez été enfermé. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, je profite de mon allocution de ce jour pour vous livrer l'enseignement et la sagesse des Cornac, qui sont des personnes qui domptent des éléphants. En effet, les Cornac avaient compris que la meilleure façon d'attacher un éléphant, c'était de l'attacher dans sa tête, mentalement,
c'est-à-dire en lui mettant une petite cordelette banane à la patte. Le petit éléphant, bien sûr, ne pouvait pas briser cette cordelette. Mais à l'âge adulte, on lui mettait la même cordelette, toute moisi. Et l'éléphant ne bougeait pas. Il avait intégré l'idée que cette corde était invincible et qu'il ne pouvait rien faire contre elle. Du coup, il ne bougeait pas. Chers frères et sœurs, maintenant que nous le savons et que nous avons définitivement défait le nœud et détaché la cordelette, l'éléphant bougera et piétinera celui qui, jusqu'au 6 juin 2020, se plaignait pour un grand cornac. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis au sein de la Fédération Congo souveraine et insoumise. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise au sein des nations libres et souveraines. Banque le monde, Vandou, 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 Vandou. Bukulu, Vandou, 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 Vandou. Sa Majesté Tshikeya Zinga Ier, roi du Luango. Bon, je crois que vous aviez bien compris. Oui, mes frères et sœurs, Congo, nous nous sommes élevés à une certaine amplitude. Je peux simplement dire à une certaine élévation. Hein. Nous sommes élevés à une forte élévation. Et nous vibrons à une certaine amplitude. Et notre amplitude de vibration est largement supérieure à la vibration des Mossi, des Nordistes, autour de leur chef Sassou Denis Maturin. Notre vibration est largement élevée à la vibration de Pompidou. Souvenez-vous, on vous a toujours dit que Paris dirigeait Brazzaville la journée et la nuit. C'est Brazzaville qui dirigeait Paris dans la nuit. Dans les contextes de leur sorcellerie et les pratiques fétichistes ou exotériques, la marmite de leur sorcellerie est cachée à Brazzaville. Hein, on a beaucoup expliqué ça. Est cachée à Brazzaville. Voilà pourquoi Paris protège celui-là même qui casse toujours cette marmite. Celui-là qui détient cette marmite. Celui-là qui est, on peut simplement dire, le gardien même de cette marmite, qui est Sassou Denis Maturin. Nous recevons plusieurs révélations. Nous recevons aussi des paroles venant de nos ancêtres et de Dieu lui-même qui parfois nous élève à de certaines amplitudes, à de certaines vibrations et qui nous montre ce qui est en train de se passer. Sa Majesté a eu cette parole de nos ancêtres et de Dieu le Tout-Puissant. Désormais, le piège dans lequel Sassou a mis les Congos, c'est l'éléphant. Il est allé prendre donc un égrégore. Son égrégore ici, c'est l'égrégore du peuple. C'est l'éléphant. Mais qu'est-ce qu'un égrégore? Je vais vous le dire. Hein, pour vous qui aimez le français. Je vais vous le lire. Un égrégore est un concept désignant un esprit de groupe constitué par l'agrégation des intentions, des énergies et de désirs de plusieurs individus unis dans un but bien défini. L'éléphant, c'est le peuple. L'éléphant, il est grand, il est fort, il piétine surtout, il dame tout. Dans toutes les révolutions, partout à travers le monde entier, c'est toujours le peuple qui le mène. Quand le peuple est dehors, les politiciens rentrent dans leur trou où ils sont écrasés. L'armée replie face au peuple parce que vous ne pouvez pas finir tout le peuple. Donc ce type, dans ses pratiques fétichistes, on lui dit, il faut attacher donc ce peuple-là. Donc il faut aller prendre leur symbole. Et donc il va donc prendre le côté négatif même de ces symboles. Il va prendre donc l'égrégore de l'éléphant. Comment il fait pour contrôler l'éléphant? Qui est le peuple? Il introduit donc la franc-maçonnerie, les pratiques fétichistes. Il introduit le crime, le vol.
l'envie du gain, la manipulation, c'est-à-dire que les coups tordus, les coups bas, c'est tout ce qui l'a emmené pour capturer ce peuple-là, pour lier ce peuple. Vous voyez aujourd'hui le grand maître de la franc-maçonnerie dans l'entité Congo avec C, c'est lui, Sassou Denis Matura. Les officiers de son armée, les hauts fonctionnaires de leur République du Congo, même de nos frères Congo, sont tous là-dedans. Qu'il s'agisse des femmes, des jeunes, des enfants, des jeunes filles, aujourd'hui, font partie de ce cercle. On leur donne des promesses pour devenir, pour peut-on seulement obtenir un emploi. Il faut forcément y aller. Une magouille est énorme, avec même les compagnies privées. La compagnie de Pompidou que nous appelons Total Eni, tous sont là-dedans. Le syndicalisme, les hôpitaux, les médecins, tous sont là-dedans. Contrôlés par un seul homme. C'est là où il tient le peuple, c'est là où il contrôle l'éléphant. Vous voyez que quand vous rentrez dans des séances de cirque, vous savez qu'il y a des dompteurs d'éléphants, il y a des dompteurs de léopards, il y a même des dompteurs de lions. Ces gens-là contrôlent ces animaux aussi féroces, aussi costauds, par leur état mental, par des gestes, des signaux, la nourriture, ainsi de suite. C'est comme ça qu'il a contrôlé. Il est en train de contrôler ce peuple. Par ses stratagèmes maléfiques, il faut asphyxier ce peuple en cassant tous les emplois, et surtout dans la partie Congo. Hein, on a détruit le cordon ombilical que nous appelons l'épine dorsale de l'économie du Congo. C'est-à-dire que ce qui tenait chaque jeune Congo qui exerçait un petit commerce, le chemin de fer Congo-Océan, avec l'approbation de Pompidou, parce que c'est Paris qui a donné les instructions pour affamer les Congos, pour nous exterminer. Et à la fin, ils ont récupéré nos enfants, les jeunes filles. Ils sont en train de bombarder avec des grossesses. Voilà comment il tient, il contrôle. Il arrive même à contrôler désormais nos cultures, nos villages, par en mettant en place des conseils consultatifs des sages. C'est les verrous par lesquels il les contrôle. Tous ces sages nombreux font partie aussi de la franc-maçonnerie. Donc, sous sa responsabilité, il a mis en place les conseils consultatifs des femmes. Toutes ces femmes-là sont là-dedans. Les conseils consultatifs de la jeunesse, ainsi de suite, de suite, de suite, de suite. Il a tenu l'éléphant, le peuple, qui a l'amabilité d'écraser chaque homme politique comme un peu avant, à l'époque où nous étions là tout de suite avant la conférence nationale souveraine, où l'éléphant s'était écarté, l'éléphant a bousculé la politique et stratégiquement, sous les ordres de Paris, on lui dit « tu ne peux pas résister parce que cette fois-ci, si tu résistais, l'éléphant va te craser, donc le peuple devait la battre. » Il a joué la stratégie. Il a négocié les séances de lavement de main. Voilà comment il vous contrôle. Voilà comment il a réussi à contrôler. Et l'éléphant devient son égrégore. Donc le rôle que le peuple devait jouer, lui, il a pris l'égrégore. Donc il a remplacé ça par l'égrégore du peuple. Et cet égrégore, il l'utilise dans le contexte négatif. Et là, les ancêtres et Dieu, le Tout-Puissant, vient de nous révéler ça. Sa Majesté Tikéa Zinga Ier vous a parlé de ces petits récits sur les cornacs, les dompteurs d'éléphants, qui avaient les capacités de pouvoir maîtriser un éléphant en l'attachant le petit éléphant d'eau, comme on dit, au pied. Contrôler cet éléphant-là. Maintenant que l'éléphant a grandi, qui est aujourd'hui la Fédération Congo est debout pour libérer dans cet éléphant. Il ne peut donc continuer à maîtriser l'éléphant. Nous sommes venus, on a cassé tous ces liens spirituels. On vous a dit, sortez dans les églises. Il a pu maîtriser le peuple par les églises aussi. L'église catholique aujourd'hui, avec des prêtres francs-maçons qui endorment le peuple, qui vont même jusqu'à vendre le cadavre de leur cardinal, que nous appelons Émile Biaïe. Au diable. Comprenez ça, mes frères et sœurs. Des prêtres, des pasteurs, l'église évangélique du Congo, où ils ont détruit
Les Moukala devient un porte-à-faux contre eux. Le goût du gain est venu. La personne qui finance aujourd'hui les églises, c'est son épouse, la femme du diable. Comprenez? Les Ngunza qui vont faire des rituels au nom de Sassou Denis Mathurin pour faire venir des esprits maléfiques pour combattre à sa place. Voilà comment il a tenu l'éléphant. Il a tenu le peuple. Et une grande partie de la jeunesse est rentrée dans la corruption. Les empoisonnements aujourd'hui, les femmes jouent le rôle des empoisonneuses. Elles sont là au premier rang. Il a tenu l'éléphant. Il a contrôlé les petits des éléphants, les petits-fils des éléphants, les grands, les papas des éléphants, les grands-parents des éléphants. Il a contrôlé jusqu'à ce que la Fédération Congo arrive, d'abord par les actes de la souveraineté, du royaume de Luango le 7 juin 2020, les territoires de Mpangala, Bouenza, Niadu, le Kumu le 21 mars 2021, et la création de la Fédération Congo. Nous avons donc relâché le grand éléphant qui est les peuples Congo aujourd'hui. Tous donc, nous devons nous mettre à la chasse pour couper la tête de l'éléphant. On va chasser l'éléphant et ses ramifications dans les terres Congo par le biais des armes. C'est comme ça qu'on raisonne. C'est la guerre. Comprenez? C'est la guerre. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas un autre moyen de régler cette affaire. Parce que leur survie dépend sur, dépend des ressources naturelles des Congo. On a expliqué ça dans le direct qu'on avait fait précédemment, dans le commission. Ils ne vivent que de nos ressources naturelles, de nos terres. Et dans leur intention maléfique, ils veulent aussi récupérer les terres. Et l'éléphant a ses ramifications. Ce que nous appelons les clans Kondinkata. Je vais rapidement dire cette partie en Kikongo parce que c'est très, en Mokutuba parce que c'est très important. Bata tena mama mamouti nouvet metuba. Sa mouna iki, mkadiyam pe mamoutan tu mokuyo, baka kakifouani ni yanzao. Benoume kuzaba. Nzauke ki dimbu ya ngolo. Ngolo ni nani ke pesaka yao. Ni ba bantu, ba peuple. Ni bingé na mounu. Beto nyonso yina kele kuna. Me kansi na ma yindu ya yandi ya nkani ampe ya mutantu mkuyu. Ya ba mikisi yina nge kuna kusalaka. Ba metuba nani kubaka ki dimbu ya nzau. Nge kusalila ya mutindu mikisi yange. Na kulalisa ba peuple yina. Benoume tala. Wapi mutindu ya nge kusala. Na kukanga nge. Nzau yina kufana mutu. Na ke kuwila kaka ni yandi. Ya nge kuza kunata ba binzambi nzambi. Ina beno mekuzaba. Ina bakala mekuma bakento. Bakena kusala ba mambo mutinu baka kusala bakento. Bakala mekuma bakusala ba bifu ya manima. Na nzila ina betu kwa basaka ba bima ya salete. Ina ba mekuza kusala. Bandumba mekuena kukota na kati. Babana mekuza sana kati. Ni mutinu ya nukusimba. Bao nyoso mekuza na babinza minzambi. Ngevana munganga. Mbulu mbulu. Mutu na kelongo kaka pesaka milongi na bama longi na babana. Ngevanda mwa mutu ne kuna kuyimbilaka. Bau nyonso me kuna kukota kuna ni kuna. Yani kena kusimba bau na mayindu. Na mayindu ya nkari ampe mutantu mkuyu. Yani me kuzo kutula ki. Oh, biga me kuna tula ki mvuka. Yani kutuwa disaka babi boba. Yani me kutuba tibantu ya ndwenga. Nani ke mutu ya ndwenga na bau. Yani me kusala yao nakati ya kizunga na kizunga kuna. Bantu ya ndwenga. Babi mvuka ina. Ya kenjila yandi na kukanga babi boba nyonso. Na zikati ya mbanza ni mbanza. Kuna na kati ya bantutu ya bakongo. Ya nime kutuba ti mungu sala mpeki mvuka ina. Kukamba kabakento nyonso tu. Bakento mekuna kote na kati ya babi mvuka. Ya nime kusala yao na shaka na mbanza na mbanza. Ya nime kusala ki mvuka ya bantuenya. Mino tela bantuenya minge mekuma. Mamu kaka ya politiki. Baki na kukuna bauti. Nge na kuzwa kisalu, funge kuzwa kukote na binzambi nzambi, tona kimvuka yae beto kena kutuwa alisa. Mame kuna kusala babimvuka, mutinu mwaba miziki ya fieti fieti. Ba mama kwe kuzwa kuteka kubilumu nyonso, ba ntwe ya kuna kukutasa na nukuna yae kena kukanga bantu. Na mayela yae ya kukanga nzao, beno babantu, ya kele kukanga babisalu nyonso, kufuisa babantu nsatu, mkondolo ya madia, mkondolo ya mbongo, mkondolo ya lumea, lupitalu ya kubola ni kuna ni kukanga wapi mutinu mwenye na kusala ti sinza ukubela kaka ni munu kile na kuza kusalisa yandi ni ya nimesala mwangisa nzile ya mashina nyoso bantwenye ya beto nyoso ina kevanaka kubana na Mpangala Bwenza Nyadile Kumu Luango na kusala mwamu mbungu mekuma mpasi wapi mutinu yani kena kukanga nzawina
yana usaleti banzila kuna na mbanza ya Sudan yoso banzila kuna na mpangala bwenza nyadi le kumulwangu kukuma ya kufuta mbongo ngile na kukwenda kuna ya mpamba ve singeme katuka kuna na luango na kukwiza kuna na kati ya bwe funga kufuta mbongo kondole ya kisalu ngapi mutino kiko kukwenda na nzila ina fukufuta mbongo nzila ina kekele kaka mosi ni mutino ya mikukanga nzao nzao ni bape me beno zabati bantu ina baka tuba ba peple ya beto bidimbu kile zole nzao na kile manzao kile manzao ni ina kewa naka na isi ya ntoto ina kekangaka ngolo ina nzao lena bena ina mebaka kidimbu ya nzao beto kubasa kidimbu ya zole ina baule ndaka kutalave samu bankoko na tatanzambi fumu ya luleno mekula kisa kidimbu ya zole kile ki lemba nzao ina baku bakula kaya ove ina betu kuna tubaka bao kile manzao wame kuma mutindu mjilao wame tuwa wapu mutindu betu talaka jambu ya hive mekansi na kilumbu ya nsambwadi to na kilumbu ya le 7 juin 2020 na kilumbu ya makumi zolo na mosi na ngono ya tatu ya mvula ina lutaka kimpuanza ya luango salamaka na kilumbu ya le 7 juin 2020 kimpuanza ya buenza nyadi lukumu na mpangala, salamaka na kilumbu ya makumi zole na mosi na ngonda ya tatu na mvula ina mekuluta. Ina mekuvanda, ina mekuza kufungula nzao. Bapeple ya betu mekufuluka, mekufungama, mekufungama, mekutelama, kena kumwanisa, betu nyoso mekubaka bajonga na kuzenga nzao ina intu. Ina betu mekuza kutula insi ya Mona, Federasyon ya Kongo, na kuna kusosa bambangi, babantu ina kusalisa beto, na kukatula bao kuna na kati ya bantoto ya beto, betu na kubika bao ve mikuyu kufana na kati ya lupangu ya bantoto yuna tata nzambi kia kubieka. Mkongo kele mtu yanga na ya tolulendo nzambi mpungu. Bantoto yuna kele ya tata nzambi bimvuama kele ya tata nzambi. Beno kuwa batata na mama. Nzau kele naba nzau ya fete ya kubuta na kati ya beto. Mutini meno kutala kuna na luangu. Bantu ya nkondi na ya nkata. Ni bao kia kukanga nzau. Samuti kima kena kusalati mtu na mbaka kidimbu. Mtu na mbaka kidimbu ya nzao. Kuvanda kuna samba mindele ya mputu ya bantu ya pampidu kutatamana kubumba yangi. Samu na mafuta ya ndombe na bagasi kuna na luangu. Bantu ya nkondi na ya nkata kena kati. Nyukuna baka kena kunuwana kimfumu. Ina peto telambaka bilumu mekuluta. Samajeseti kaya zingaya ntete mekuta kubasa pe nzonzolo. Makoso ya tanu pe basaka nzonzolo kuna. Bame kumwangana kuna. Bame kuza kufutula mvutu. Mutini mwenye na kutala awa. Yae keni mukanda ya baba basaka kuna. Luvunu na muluvunu. Mikanda ya luvunu na luvunu. Donc comme on dit, cet égrégore s'est multiplié avec des petits bouts. Donc certains petits bouts se retrouvent de côté de Luango avec les clans Kondi et Nkata. Ce clan qui a toujours protégé les Mossi et les Nordistes dans les territoires Congo. Donc c'est à cause du pétrole et le gaz de Luango que nous sommes aujourd'hui victimes. Donc les Nkondi et les Nkata sont maintenant en train de se coudre poignet là-bas. Hein, après nos publications... Et Sa Majesté Tikeye Zinga Premier a fait une forte publication, que vous d'ailleurs vous venez là de jouer, et Makoso 5 aussi avait fait une publication. Donc en réalité, ils ont sorti une déclaration. Dans leur stratégie, si vous voyez que cette déclaration, elle date du 4 mars. Elle date du 4 mars. Donc ils ont réalisé ce qu'on appelle ici un antidate. Antidate. Alors que la célébration de Toussaint Louemba et de Fouti Louemba, Fouti Louemba, c'est celui-là, c'est cet usurpateur qui est un retraité de France, qui a toujours vécu en France, et qui est allé donc, il est allé prendre le pouvoir qui ne leur appartient. Parce que nous savons que le vrai pouvoir ancestral, d'après le retour de l'ascenseur, après la déclaration du royaume, la déclaration de la souveraineté du royaume de Luango, qui s'est réalisée le 7 juin 2020, donc bien avant ça, ça s'est réalisé le 7 juin 2020, la documentation a été envoyée à Makoso 4, celui-là que même que
les Mbossi et les Nordistes ont tué avec l'Nkondi Nkata, ont tué là à Luango, hein, celui qui était là au pouvoir. Et ils l'ont tué au Maroc. Ils n'ont pas voulu emmener le roi de Luango se soigner à l'hôpital américain de Paris. Mais tous les dignitaires Mbossi nordistes de ce système vont se soigner à l'hôpital américain à Paris. C'est quand même curieux, hein, chers amis. Regardez l'Nkondi et l'Nkata, comment ils sont dans une mafia et comment on est en train de leur humilier. Et ils acceptent ça parce qu'ils ne reçoivent que des miettes. Leur roi, propriétaire des ressources de Luango, le gaz et le pétrole de Luango, qui a donné toutes les richesses au Mbossi, n'a pas eu droit à se soigner à l'hôpital américain à Paris. Là, il a été envoyé au Maroc pour se faire charcuter là-bas. Vous comprenez? Et quand son cadavre est arrivé à Pointe-Noire, à Ndjindji, le cadavre, ils ont mis la croix des catholiques. On vous a expliqué la croix tout à l'heure. Si la croix était là pour sauver les gens, Sassou Denis Mathurin devait récupérer toutes les croix qui existaient dans l'entité Congo avec C. Vous comprenez ça, chers amis? Mais pour humilier ce roi, alors qu'un roi traditionnel, il croit à ses ancêtres. Il n'a pas besoin d'avoir une croix des catholiques. Comprenez? Ils ont mis la croix des catholiques sur son cercueil. Et vous avez vu des gens comme les Florent Tibouanga, les Klonkondi Nkata, renverser le Nsamba, donc le vin de palme, qu'on a mis dans une bouteille de plastique, donc on peut dire l'eau maillot hein, au Congo. Hein. Alors que c'est un grand roi. Peut-être que le Nsamba là devait être même dans une calebasse. Non, c'est pas ça, mes frères et sœurs. Hein. Totalement humiliation. Troisième humiliation, ils ont mis son cadavre sur un flatbed, donc un semi-remorque ouvert comme ça, manque de dignité. Vous comprenez ça, chers amis? C'est toute une façon d'humilier les vrais Vili, les vrais Congo par rapport à ce type. Vous comprenez? On est sorti il y a quelques jours, là où on est venu fustiger sur Fouti Luemba, retraité de France. Mais il s'est retrouvé roi là-bas. Et il était en train de célébrer avec des escrocs comme les Max Toussaint Louemba. Celui-là qui disait qu'Antoinette était leur Bokilo, alors qu'Antoinette, son père est Mosoko, sa mère est du Bénin, donc des Dahomey. Comment il va être leur Bokilo? Ils ont célébré là-bas. Nous, on a réagi. Sa Majesté Tikaï Zinga premier a sorti la communication, que vous avez entendu. Bakasso 5 avait aussi sorti une communication. Et là, et ces communications-là datent de deux jours, là. Et cette vidéo qui avait été publiée, cette vidéo-là où Toussaint Louemba et Fouti Louemba célébraient, ça datait de deux jours, trois jours. Mais là, ils nous sortent une communication antidatée du 4 mars. Ce qui est totalement contradictoire avec tout ce qu'ils sont en train de dire. Et dans leur stratégie de la manipulation, dans la communication qu'ils venaient de publier, ils sont allés donc chercher le clan fondateur du royaume de Luango qu'on appelait les Bouvandi. Vous voyez? Donc, d'habitude, quand ils font les communications, ils n'associent jamais le clan fondateur, les Bouvandi, qui était le clan des forgerons, ceux-là qui mettaient de l'ordre. Ils ont été renversés du pouvoir par les Nkondi et les Nkata. Tous sont les Congos du Kabinda. Les Nkondi et les Nkata sont, comme on dit chez nous, les Mwisi Nsumba. Ce ne sont pas les Vili, les autochtones Vili. C'est ça qui est la vérité, mes frères et sœurs. Parce que tous ceux qui nous ont mis dans cette merde, tous sont des étrangers. Voilà pourquoi nous sommes dans cette merde-là aujourd'hui. Voilà pourquoi à un moment donné, les vendus et tout ce qu'ils ont trahi, comme l'a dit le peuple a dit, qu'ils vont les décapiter tous. Les gens attendent le moment opportun. Et nous, on va laisser cela se faire pour le grand nettoyage. On va d'abord finir le nettoyage entre les Congos. Et on va se permettre de faire le nettoyage avec tous les criminels nordistes et Mbossi qui ont mal opéré sur nos terres. Voilà notre position. Écoutez donc leur déclaration. Ils sont allés donc chercher les Bouvandi pour essayer de flouter. Ils sont allés leur dire, bon, venez vous si vous allez manger. Il suffit seulement que nous puissions continuer à faire fonctionner la machine, la suprématie Mbossi. La suprématie nordiste, la domination et la colonisation intérieure de ces brigands du Nord sur les terres Congo. Comprenez? Donc, ils disent ceci. Dénonciation sur la déclaration de publication du nouveau roi de Luango.
les clans royaux. Là, ils associent maintenant les Bouvandis en première ligne. Alors, les Bouvandis n'ont jamais mangé avec eux. Ils sont allés voir quelques idées pour dire, bon, venez manger. Mais ça, c'est une dissuasion. Ils ne peuvent pas nous tromper. Tous, personne n'est légitime. On va les dégager tous de là. Les clans royaux, Bouvandi, Nkondi, Liluangu, Nkata, Liluangu, dépositaires de la couronne royale, dénoncent et s'insurgent sur la publication présumée du nouveau roi de Luango par des personnes indignes ayant usurpé la différence des dignitaires, ayant usurpé la déférence des dignitaires du royaume de Luango. Cette attitude délatoire n'honore personne dans la dignité séculaire de notre royaume. Ainsi, les trois clans royaux Bouvandi, Nkondi Liluangu, Nkata Liluangu, des escrocs, dénoncent avec vigueur cet acte ignoble, ne représentant pas à la procédure traditionnelle de nos us et coutumes. Les clans royaux prendront l'initiative de saisir les tribunaux pour interpeller tous ceux qui mettent le trouble dans les affaires du royaume et impactant ainsi sur les droits fondamentaux des clans royaux précités. Ils vont aller voir le tribunal de Mboshi pour nous poursuivre, nous. Ils nous appellent comme les fauteurs de troubles, des vendus. Souvenez-vous, hein, c'est le même discours avec Florent Ibouanga que nous allons encore jouer ici. Lui qui est venu nous dire que Sassou était l'homme des masses là-bas et que si nous n'étions pas d'accord, qu'on aille chercher un autre pays où nous allons aller vivre. Alors que eux, ce sont les usurpateurs. Les clans Nkondi et Nkata vont être chaffés sur le territoire Congo. Voilà notre position. Au même titre que les Mbossi, voilà notre position. Parce que nous sommes dans cette souffrance, on nous tue, c'est à cause d'eux. Comprenez ça, chers amis. Nous, membres des clans royaux, unis ce 4 mars 2022, mensonge, ils ont antidaté la correspondance. Décidons, 1. La mise en place d'une coordination des dignitaires délégués du royaume de Luango, seul représentant des trois clans royaux devant les autorités. 2. La communication dans les brefs délais, la désignation d'un roi de Luango issu de l'accord des clans royaux Bouvandi, Nkondi Liluangu, Nkata Liluangu. Faux, cela, c'est l'usurpation. Nous avons déjà Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, Sa Majesté Makoso V. Voilà la position. On va encore vous faire jouer la vidéo où les gens là reconnaissaient qu'il y a eu le royaume de la souveraineté du royaume de Luango. Ils sont venus bouder là où Makoso IV, celui-là qui venait d'assassiner, les avait chassés de la cour royale. Il a dit, allez-y faire votre déclaration en dehors du royaume, en dehors du palais royal. Parce que les enfants ont pris le pas de ce que nous appelons le grand roi de Luango, Mani Makoso Shikozo. Makoso IV avait refusé parce qu'il avait compris. Il était sous la pression des rats des royaumes, les Kondi et les Nkata, des manipulateurs. Ceux-là qui tuent les Congos au sud en complicité des Mboshi avec l'approbation de Pompidou. Voilà la vérité. 3. Devrait consolider l'esprit de fraternité et de paix dans le royaume de Luango. Je vais donc rapidement, roi pape, comme on dit, 4. De rejeter en bloc les décisions usurpatoires des dignitaires de Bouali et les sages sur le choix illégal à la désignation du candidat au trône du royaume de Luango. Que des manipulateurs. Il n'y a pas de sages là-bas. C'est des ventreux, comme je les appelle. Tous sont en train de donner. Les Mboshi deviennent les chefs de quartier dans Luango. Ils ont vendu Luango. Ils ont vendu nos terres. Comprenez? Parce qu'ils s'en foutent de nous. Tout l'argent qu'ils amassent, ils construisent là-bas au Cabinda. C'est ça la réalité. Les Mpaka, c'est des cabinets. On n'est pas contre les cabinets. Mais là, nous avons des Africains qui viennent tuer les autres Africains. Comment osez-vous parler du panafricanisme dans ce contexte? Et nous, nous boudons ce genre de panafricanisme qui consiste à venir dominer, à vouloir effacer et exterminer les peuples autochtones. Et nous, on dit non à cette forme de panafricanisme.
Si vous voulez venir avec cette forme de panafricanisme, il est encore mieux qu'à chacun fasse son chemin seul. Ils disent encore, avec, comme nous avons dit, ils ont daté la lettre le 4 mars. En réalité, cette déclaration a été réalisée avant-hier, après nos communications, et ils ont menti pour changer. Il dit pour les trois clans, il y a un clan Bouvandi, il y a un certain Mouetati Marcelin, clan Nkondi Liluangu, un certain Mouetikaya Zéphirin Bounéné, le clan Kata Liluangu, un certain Mouetati Pistolin. Voilà les manipulateurs, ce clan qui nous tue. Vous avez vu leurs filles, là, qui vivent sur la place de la diaspora, celles qui se disent, oh non, les princesses de Luango, qui s'habillent en rouge, qui mettent les rouges, les lèvres rouges, elles ont tous taillé la zone parce qu'elles étaient informées de la manigance que Foutu Luemba et tous ces gens ont eu à faire. Des gens qui viennent nous mentir, ils se jouissent de notre souffrance. Les Nkondi et les Nkata vont être dynamités sur nos terres. Et les traites et les vendus, comme l'a dit notre peuple, vont être chassés. Si notre position est claire, on ne peut pas tergiverser. Si nous, on va réaliser le nettoyage entre nous, maintenant, imaginez combien plus forte raison le nettoyage avec les Mboshi que foutent la merde sur nos terres. Notre position est claire. Vous pouvez me mettre tout bas. Bantu, Bankondi, Bankata, mais qu'on a pas capable de vendre. Le Vuno, pas comme c'est que ce soit que Vuna. On va recevoir tout l'enfumé à Luango. Bauna, Bau, Moskuna, Bamekuma, Kunuana. Je ne sais pas si je suis un homme. Baflisa kamikanda nyonso na ina vanaka mfumu ya luango ya iya, makoso ya iya beno zaba jambu ya kansi makoso ya iya mangaka na kubaka kimfumu bao ba mpuku ina baka bokla yoyo bao naba tibuanga ha? Bao naba tibuanga tinu betuke lagisa beno betu lagisa diaga beno mambu Tibuanga kuzonzaka. Fobe nukua ya udiaka mbote. Ya ikele ba bandi. Mikuyu. Kena kachikuna. Baina kena kufuwa beto. Talisa beto mpasi. Kukuamisa beto. Samu na jamu ya ilumea ya bao. Babi vumu ya bao kaka baka na kutala. Beno kukua udiaka mutindu. Bandi ya Tibuanga. Kuza kutubila beto kuna. Beno kuwa na beno mwesi. Regardez comment ils ont tous des habits rouges derrière, des habits rouges. Ça, c'est ce fameux clan Nkondi Nkata. Et vous voulez quoi? Si vous ne voulez pas de la fédération, là je le dis, Nkondi et Nkata, vous ne voulez pas de la fédération, vous allez aller vivre au nord là-bas avec les Mboshi. Et là encore, il faut que les Mboshi vous acceptent. On va vous dynamiter tous. Et c'est clair, le grand nettoyage se fera. Et moi-même, Pongi, je serai à la tête de cette mission. Je dirai à Sa Majesté Tikaïa, à Sa Majesté Makoto Saint, à mes frères de Congo Debout, à Birangi, à Kai, laissez-moi faire le grand nettoyage. Il faut qu'il y ait des hommes courageux dans chaque lutte de libération. Il faut qu'il y ait des leaders qui prennent cette décision pour ce grand nettoyage. Et moi, j'y serai. Le président Barack Obama a dit qu'il ne veut pas, vous ne devez pas avoir pitié, il dit ça aux jeunes Africains. Il le dit en tant que président des États-Unis. Comprenez? Et là, il vous le dit. Celui qui ne veut pas, qui n'est pas, qu'il aille chercher là où il va aller vivre. Et nous disons ça à Tibuanga, au clan Nkondi, et même les Bouvandi qui veulent aller dans ce complot-là. Vous irez chercher là où vous allez vivre. À tous les Congos, vous allez aller chercher les Congos qui ne veulent pas de la Fédération Congo. Question d'intérêt général. Protection des peuples, protection des terres. Protection des ressources naturelles, vous allez aller chercher là, vous allez aller vivre. Voilà notre position.
On n'est pas là à vous tergiverser, à vous montrer. Ça sous, hein. L'argent volé, tout ça, c'est connu. On doit acter. Il faut des armes. Voilà la position. Voilà. Voyez ça, chers amis. C'est pas ce qui se passe. Voilà, ils iront là où ils voudront. La fédération va s'installer et le grand nettoyage se fera. Dites ça à ces vieux qui portent les rafias sur la tête, des chapeaux, des corrompus, des vendus, des sorciers. Le peuple vous attend. C'est ce qu'ils vous ont dit. Encore, on va encore aller écouter la dernière partie pour clôturer ce live. On est déjà à 46. On avait prévu ça à 2 heures. On est dans le temps. Donc, c'est incroyable. Hein? C'est incroyable, mes frères et sœurs. Là, je vous montre encore une photo rapidement. Voilà l'homme qui parlait, qui nous faisait la gueule, que nous devons aller chercher là où nous devons aller vivre. Sur cette image, je vais simplement essayer de le zoomer. Vous voyez ça sur cette image? Vous le voyez ici. Sur cette image. Voilà, vous le voyez ici. Voilà Florent Tibouanga, il est là. Florent Tibouanga, l'homme qui venait de parler tout à l'heure. Et là, il tient à la main une petite assiette. Vous voyez l'assiette? L'assiette, elle est là. L'assiette, elle est là. Où est mon stylo rouge? L'assiette, elle est là. Et là, il était où? Il était à une cérémonie d'intronisation d'un bossy comme chef de quartier à Pointe-Noire. Comprenez ça, mes frères et sœurs. Florent Tibouanga, celui qui nous dit que nous devons aller chercher là où nous voulons aller chercher, nous voulons aller vivre, et que laisser le mossi continue à nous imposer la colonisation intérieure sur nos terres ancestrales. Qu'on puisse laisser nos enfants se massacrer. Il est là à la fête des mossi, cérémonie d'intronisation d'un chef de quartier, mossi dans Luango, incroyable. Et il se contente d'une petite assiette avec son chapeau de sage. Voilà ce qu'ils nous ont vendu. Ils sont tous des étrangers. Tous des étrangers. Comprenez? Maintenant, on va vous faire passer ce petit groupe de voyous qui nous parle d'introniser un roi de Luango. Alors qu'on a déjà les rois, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, Makoso Sen. Betu Kele Janaba Mfumu, Betu Yaku Kubaya Luango. Bainamaluta Nanzila Yamani, Makoso Sikozo. Nanzila! Il y a Luango Ludimana Kinkala. Nzile ya kukuba ya ngolo ya bunkoko. Ina vitu misimba. Kubana kuna na Luango. Makoso ya tanu. Sa Majesté Tikaya Zinga ya ndete. Kina kintuwa dina munu. Mikaya pongi. Muntu ina butamaka. Nzile ya mikaya. Mikaya pongi. Munu mikaya pongi. Sek. Vitu kele kintuwa. Kintuwa dina tata birangi. Ina kele muntu ina butamaka. Nzile ya muala mbungu. Fumo ya kukuba, kuna nanyagi. Kintuari na tata kai, kuna na kati ya kimbedi. Na nzile ya ngorozoma. Meno beno, bankoko ya beno iba nani. Meno tala. Bale na wuna beto ve. On n'est pas cette génération la. Ba ntwenye ya buzoba. Ba ina me kwe na kote na binzami nzambi. Ina ba me kukanga npeple nzawu. Nankari ampe mtatu mkuyu. Eka sepetu meku zenga yao. Ya meku mantangu na kulomba na batuena. Baku telama bao nuskintuari na beto. Bantuene yao. Ya bakongo ke vanda bantu. Ke kusimba minduki. Mwana ya kieti. Kuluntu. Ke kuzaba kusala minduki. Sana kubumba bantoto. Kubumba bantu. Kubumba bimvuamu. Ba mama ya beto. Ke kujirika bima ya ngolo. Ina kujokaka ba bima ya bao. Batuma bilu ya bao. Ya keni mutindu ina. On ne peut pas tergiverser en face du criminel. Et c'est clair, mes frères et sœurs. Et ici, notre langage est clair. On ne va pas se limiter à des dénonciations, sans pourtant apporter la solution. Donc, je vais vous jouer le dernier clip où vous aviez les vendus de Luango ont rejeté la souveraineté. Donc, eux, ils veulent s'accrocher. Mais là, il vous parle d'un royaume. Un royaume va encore parler aux médias nationaux. Le royaume devait avoir ses propres médias, n'est-ce pas? Voyez ça, chers amis.
Donc, on ne peut pas se l'accepter. Hein. On est en face des vendus. On est en face des brigands. Et nous ne pouvons donc accepter cela. Voilà les vendus. Écoutez encore ça, mes frères et sœurs. Déclaration du royaume de Luango. Informé par des canaux non officiels de l'imminence d'une proclamation de l'indépendance du royaume de Luango le 7 juin 2020 par certains compatriotes résidant en France n'ayant pas été mandatés par nous, nous avons ordonné aux institutions du royaume, à savoir le Conseil des dignitaires de Boali, la Cour royale, les sages du Kwilu et de Pointe-Noire, de faire la lumière sur cette dangereuse démarche visant à morceler la République qui est une et indivisible. Mais alors, vous comprenez le langage, la République, et la République n'a jamais existé, vous le savez, la République est repartie dans la communauté, c'est clair. Et qui lisait ça? C'est leur chef, on peut enlever, enfin, celui-là qu'on appelle, c'est un grand qu'on dit, le dignitaire de Boali. Hein, c'est lui le président. Il s'appelle Yo-Yo, un membre de la loge. Tout ce monde. Et là, vous voyez, là, c'est qui, là? Ici, là, c'est qui? C'est Florent Ibouanga. Il est là. Des vendus comme ça. Vous comprenez ça, jeunes amis? Hein? Et là, il est là. Et ça, c'est un certain Yo-Yo. Tous des vendus, membres de la loge. Et il nous parle de la République, leur République de loge. Ça ne passera pas. Et nous allons terminer avec, rapidement, hein, il nous reste comme 2 minutes. J'ai encore 2 minutes. Je vais donc aller chercher ça. On va aller voir la réponse. Je ne sais pas, est-ce que j'aurai le temps de voir ça? Je ne sais pas. Je ne sais même pas où est-ce que j'avais mis ça. Mais en tout cas, mais je crois qu'on va s'arrêter là. Donc, vous avez bien compris pourquoi l'homme a pris l'éléphant. L'éléphant représente le peuple. Mais en réalité, ils n'étaient pas trop intelligents parce que le peuple a deux parties. Hein. Il y a les pieds et le tronc, la tête et la partie haute. Et le peuple marche sur la terre et le peuple est soutenu. Et ce qui soutient le peuple, le contact du peuple avec la terre, c'est cette plante que nous appelons Kilimbanzaou. Hein, comprenez ça, chers amis. Mais cette partie-là, ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu ça. Ils ont pris l'éléphant. Ils ont tenu l'éléphant. Ils ont contrôlé l'éléphant par la tête, par l'Église. Aujourd'hui, vous entendez le pape qui veut aller en RDC. 8 millions de plus, 8 millions de morts, tu vas aller foutre quoi là-bas? Les Aïrois doivent s'en occuper, protester. Il ne doit pas arriver chez vous, c'est clair. L'Église exite. L'Église exite. Et ça, nous le disons. L'Église exite. Sortez dans ces églises-là. Il n'y a rien. Si Dieu était là, si la vérité était là, si la richesse, la solution était là, ces gens-là n'allaient pas vous emmener dans ce chemin. Ils n'allaient pas vous montrer ce chemin. Vous priez matin, midi, soir. Rien ne s'est fait. Dieu a parlé. Le peuple doit sortir pour aller chercher sa libération, l'autodétermination. Barack Obama, président des États-Unis, vous l'a dit, sortez de là. Comprenez? Il vous tient par les églises, par la faim, par la destruction des écoles, la destruction des hôpitaux. Comprenez ça, chers amis? Manque d'emploi, manque d'eau, manque d'électricité. Il vous tient. Il tient l'éléphant. Il contrôle l'éléphant par rapport à lui. Il vous donne les miettes. Il vous emmène dans les pratiques, dans leur loge. C'est comme ça qu'il vous contrôle. Il a tenu l'éléphant. Et c'est comme ça qu'il vous contrôle par la corruption. Vous venez acclamer par les t-shirts, par la boîte sardine. Il vous contrôle comme ça. Vous comprenez? Mais nous avons cassé la dynamique. On a libéré le peuple par la souveraineté de Luango, le royaume de Luango souverain est insoumis le 7 juin 2020. Mpangala, Bwenza, Nyadu, Lokumu, le 21 mars 2021. Nous sommes venus avec la création d'un nouveau pays, la Fédération Congo, le 23 octobre 2021. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères et sœurs? Nous avons libéré le peuple, on a libéré l'éléphant. Maintenant, ceux-là qui se croyaient comme étant
un Karnak, dompteur d'éléphants. Il va voir comment l'éléphant va l'écraser. Les Congos vont écraser cet éléphant. Vous comprenez ça, ça. Maintenant que vous connaissez cette vérité, tous droit dans l'ordre Congo, rentrez dans l'arche de Noé, signez la pétition. Tu mets tout la main au mutin de Angrenaku. Il y a un bagage qui dimbu ya nzaou. Mais il y a un zabak avec ti bantu, qui n'a pas de zole. Côté bagage tout là, l'outambi ya baou. Côté bagage tout là, l'outambi ya baou. Quel est Nantoto? Nantoto, quel est Yangane à Tanzambi? Il n'a que Pesaka Madia, dans Moussi Congo. Nantoto, la mère nourricière. C'est Nantoto. Nikuna kile manzaou, quel est Inanzaou, quel est Bendaka, quel est Lendaka V. Et ma koutalaka ve, qui dimbu ya zole ina ke loutisaka ba banque. Ni nina, ta tanzami kouza koulaki sa beto. Banko kouza koulaki sa yao na beto. Elle m'a baka nzao. Wapi moutinu, ba peuple, ina ke ngolo. Ngolo ya nzao. Me yani kina ku, tu adisa mina di boko ya kento, na di boko ya bakala, na zulu, na isi, na mayindu ya yandi. Na kati ya mayindu, na kati ya intu ya beno. Na kunata beno ba binzami nzambi. Bakana mekuma kupesa mataku, mekuma bakento. Ni muti induna. Bantuwe na mekuma kwa na babi mvuka ya imbi. Kusala imbi na bampangi. Kumuangisa balikole. Bandi mekuma na nzila. Mpasi, mkondolo ya lumea, ya mbongo. Mkondolo ya kisalu. Mkondolo ya lupitalu. Nikuna yanike ya kukanga beno. Mekansi, na ina betu nata kimpuanza. Na kilungu ya 7 juan 2020. Ya Luango, Kimpuanza ya Buenza, Nyadile Kumulu, Nampangala. Na kilumbu ya makumi zole na mwasi na ngone ya tatu ya mvula ya ime kuluta. Bekime kuza kutula insi ya mona ya kilumbu ya makumi zole na tatu na ngone ya kumi na mvula ya ime luta. Ndaba ketuba federasyon ya Congo. Nzao betume kuzenga singa. Nzao kekudiata mtu na vaneka nzati yani kele mfumu ya yandi. Ba Kongo kia kutelama. Ina benu mekuzaba diambu yae. Beto nyonso na kati ya musiku ya ba Kongo ya mvula yae. Batona ngulu ya mbote bika. Bangoko kutatama na kusimba nyamba ya maza yae na ngolo. Kunata weto na ntuala. Kusimba ya ngolo. Tatanzambi yae mwosi kutuadisa. Mwisi Kongo kele kile mbanzao. Mwisi Kongo te kudiata mtu inavanika nisati yani kele mfumu ya yanzao. Biga tatanzami kusadisa kaka na bilumu kekukiza abu pia. Matono na ngwilu ya mbote.